n'apprendre que pour jeunes mardi qui c'est 29 octobre 2024 là, eh bien il y a un ensemble de blindés qui continue à rentrer pour la police là, pour la Médaïti et pour nous dire pour ensemble force de l'audio dans l'idée pour capable continuer mener bataille contre bandi armé. Est-ce que ces blindés nous qu'a posé question que PM et Gaïkoni récemment qui était en Émirats Arabes Unis qu'il t'a discuté avec deux compagnies dans question blindé ça yo, est-ce que déjà arrivé, est-ce que blindé ça rentre dans le cadre d'Andy Appui Support qui a bien avec une mission multinationale, c'est des questions à poser, mais jusqu'à présent, on a dit que l'information c'est que plusieurs blindés continuent à rentrer en dedans pays pour force de l'audio. Bien que, il y a un pile expert dans la question sécurité, et si tout n'est pas un c'est colonel Imler Rebu, monsieur toujours dit que résoudre question de sécurité en là, il n'est pas en question de blindé. C'est vrai, blindé a toujours utile dans transport et troupes yo, mais yo besoin de moyens, de matériel qui approprié avec ça qui est là comme réalité. Mais je dis, nous est que autorité au plus concentré selon un pile expert, n'a fait blindé entrer, n'a fait blindé venir, n'a fait blindé parler, fait blindé venir, et selon, et alors que je dis, la police et force de l'ordre besoin encore de matériel qui capable aider au répondre avec situation qui est là que ton et matériel aérien, qui moi qui que je dis, faut gagner hélicoptère de guerre, faut gagner de drones qui a facilité dans opération la police, dans opération la Médaïti et mettez avec une mission multinationale. Je dis, est-ce que la priorité focus sur la question de blindé? C'est des questions qu'on a posées. Désir, dans la question politique, nous avons dit que y a CARICOM qui est même fouillé bouché dans Koseyan. CARICOM encore, nous connaissons mette, et KPTA et qui mettait gouvernement Konilan. Mais KPTA et CARICOM mandé avec deux têtes exécutives là, à la fois CARICOM et à la fois KPTA et gouvernement Konilan, puis au capable de ou en tête pour capable de gérer question et situation qui est là par rapport avec sa capacité dans le pays. Est-ce que nous pourrions jouer que puis devant que on chire pit on trois chire en KPT et puis Gary Koni, c'est ça qui déjà commencé là et amis internautes nous désir venaissant. La situation dans ce jour-là pour présenter un rapport, il fait quoi gain et 1199 moun qui mouri dans zak violence à travers 7 communes, majorité là-dedans mouri ak bal, sans compter yon latrier déplacé qui couri quitter kayo pour aller prendre refuge. L'autre côté par rapport avec situation qui a détérioré à travers tout pays qui lié avec question insécurité sans parler là. Takou chef gang Kokorat Saint-Rassaté annoncé depuis semaine passée, eh bien la louvre coup de zam sous commune Lester depuis bien bonheur pour matin te gen gros panique dans commune Lester. Nous pouvons en mesure pour nous dire qui ça dégagé, mais de fait, Kokorat Saras, on l'autre fois, te frappé pied dans la commune Lester. Situation te paraît très compliquée, bien bonnet matin. Yon délégation au niveau haïtien qui dirigé par président Frinel Joseph, te pratiquement déplacé, Blaise Peterson, pour t'al garder dans nos conseils présidentiels transition et République d'Haïti, pour t'al faire discussion, je le dis, 28 octobre 2024, à Commission européenne pour démocratie à travers loi, Commission et Vénus Secrétariat pour renforcer démocratie avec observateur et permanent OEA dans la discussion qui te gagne entre eux. La situation est concentrée sur le sujet important que le pays d'Haïti, tant que ça gagne pour avec réforme constitutionnelle, organisation prochaine élection qui a pris la yo avec restauration sécurité en dedans pays. C'est sous ça que Frinel Joseph avec et qui était parti dans non conseil présidentiel transition. Violon a toujours été pas accordé entre Premier ministre Dr. Gary Koni et président KPTA, qui est président Conseil présidentiel de transition, nous voulons parler de Leslie Voltaire et ak chef gouvernement qui pas dans ce même côté, qui pas méchita sous même table, et bien CARICOM fortifié par ça qui vient pour avec observation ça et expérience, inquiétude qui a gagné bon côté parle et concernant avec divergence qui vient entre eux dans situation, et bien d'après sa organisation régionale là, et compromettre la situation, processus transition, CARICOM mandé KPTA pour arranger avec le ministre pour yon jouer yon entente. Selon information, ta doué gagne en correspondance avec nous, ensemble ministre que Gary Koni veut changer, s'il pas changer, eh bien, et KPT a pris le dispositif pour demander changer Gary Koni à tout gouvernement la dette qui pourra permettre de rebalancer yon autre processus pour monter yon autre gouvernement. Jusqu'à mois d'août 2024, gang criminel armé en dedans pays contrôlé 85% zone métropolitaine Port-au-Prince là. D'après dernier rapport, groupe expert Nations Unies, qui créé par Conseil de sécurité des Nations Unies, hein, rapport ça mettait accent et malgré renforcement en bas aux armes,
trafic là pas faibli camion fait cal a bien plus d'âme à plus gros calibre qu'a prendre vin jeune et il a fait face avec vacuum sécurité une quantité civile cap a grandi à acheter d'âme pendant quelques compagnies sécurité privée unité BSAP continuer à vendre d'âme a fait illégal pour alimenter trafic là en dedans pays c'est ça autorité ça fait qu'on est les personnes plus passé 20 000 moun courir quitter kayo nan akaye à cause violence kanyo les personnes d'après ça organisation internationale pour migration OIM révélé songez tout temps dit nous ça organisme non gouvernemental international yo toujours connaît quantité moun qui courir déplacé rapport toujours bien détail yo toujours des enquêteurs qui dans tout espace et bien yo selon OIM les personnes c'est plus passé 20 000 moun qui courir quitter akaye par rapport avec violence gang qui gagne dans le pays. Agence Nations Unies en fait qu'on est. Depuis 10 octobre, gros coup de zam cap chanté dans Akaye, principalement dans la localité et Boukansin et Fonset 21. Li fait quoi? C'est 21 710 moun qui courent quitter Kayo. Côté toute quantité moun sa yo déplacé, plus passé et 5 300 familles dans moins passé yon mois. OIM avancé. Pour le dire, il y a 37% de monde qui déplacé yo car chercher refuge dans site qui était fait pour ça tandis que gain 63% là-dedans qui descend kaymoun et kaymoun qui proche OIM souligné devant crise si la cap grandit de temps en temps et ben yo besoin beaucoup aide humanitaire dans abri pour moun capable de manger support psychosocial ak vini qui plus urgent presque chaque jour dans ça qui a passé à la situation ça veut dire question insécurité en dedans pays a li pratiquement pote gros kè cassé li bay gros inquiétude parce que c'est chaque jour la augmente si chaque jour plus pou n'ap kouri kite kayo ki pral nan site ou bien pral rejoindre des familles qui te papye tout partout à travers pays a qui pat même ta soutenir tête yo qui pral soutenir l'autre famille qui nan kouri k'ap vinn joine la police te déposé pierre à terre dans cabaret selon vidéo que n'ap gade ou k'ap constater les situations et amis internautes que la police te franchi rive dans commissariat cabaret. Selon information, en pile, insectes nuisibles à des pieds qui fait partie réseau criminel taliban, canarien que Jeff Goulou a dirigé, tombé, blessé personne. Est-ce que l'ancati des est-ce que ces policiers qui étaient dans le niveau Akaye qui dérivaient dans le cabaret, puisque m'on est sorti de Port-au-Prince ou traversé et du Vivier, traversé Canaran, et c'est vraiment difficile, pour moi-même c'est impossible. Est-ce que ces policiers qui sont déjà de la Tibonite, tombé à Akaye et qui arrivaient pénétrer, arrivaient cabaret, c'est des questions à poser, Désir. Toute information fait quoi, ces policiers qui Akaye, qui potent bourré, qui a fait pénétration pour évacuer le danger, qui a bien joué, qui a sorti sous Canaran. Qui font coup de tête dans le commissariat cabaret, qui mettait dominanger plusieurs bandits qui liaient avec Jeff Canaran, qui est le tête du Taliban. Jean, ouais, monsieur, 5 secondes, t'es fou, quitte, képi, t'es fou, quitte, affaire, en pile nègre, tombé, pas levé, et en pile nègre, c'est pied monde qui a été pris pour eux pendant la journée, c'est l'information qui veut jouer, nous, blessons. Et nous, après, quand la police a récupéré plusieurs machines, peut-être nègre qu'on utilise, n'en fait fière action, et ensemble, le battant, quand nègre qu'on utilise, tout n'en est qui tombé, que la police est arrivée, récupérée selon éléments, information, et désir venissant. Et de là, ou t'as pas juste ton bagage? La police va se continuer avec modèle intervention ça yo intensifier et ensemble média yo. Je vais arrêter garder question insécurité à tant que nous même nous faire. Mais je veux dire que bagarre qui plus important toujours. Question insécurité pour l'autre phase des personnes. Les États-Unis a avoué que yo n'a contact serré avec gang yo. Faut que peuple haïtien, faut que autorité qui est dans pays suspend les zizanie entre yo pour régler affaire pays avec les personnes. Et ajouter que désir, c'est que dans le dossier et pays Salvador, qui lui-même dit prêt le pari pour venir aider Haïti de battre contre son grand armée, nous avons dit que jusqu'à présent, les Nations Unies voulaient mettre obstacle, voulaient empêcher que pays Salvador lui-même vienne porter support. Et là, ça a déjà créé de gros débats, de gros et paroles en pile, puisque il y a des gens qui très mal ouais et très mal comprennent et comportement autorité américaine, dans le cas de dossier.
dossier ça des Sivenès, puisque réalité à jeudi, hein, li montre à clair que et question de sécurité, hein, est-ce que les États-Unis, est-ce que Nations Unies, est-ce que ensemble de pays qui disent ses amis Haïti, yo, est-ce que vous voulez aider Haïti vraiment sorti dans sa guerre comme situation de sécurité, hein, puisque jeudi, hein, et ambassadeur États-Unis accrédite en Haïti, lui-même, il s'est confortable par rapport avec sa capacité dans le pays, hein, puisque lui-même, il est capable de jouer accès, autorisation, et bon côté, ça n'est pas brillé, et chef gang, et chef de gang, yo, mais pas tenant compte de ça, et malheureusement, qui est même jeudi, hein, qui a plusieurs années, qui a des situations, dans des souffrances, dans des calamités, et qui n'est pas capable vraiment, et répondre avec ensemble de activités, avec ensemble de besoins, yo, en dedans pays, hein. Je dis, m'le que chaque monde comprenne, m'le que chaque monde garde sa gueule là comme situation, et comme problème, non, pour nous poser question, est-ce que qu'il y a volonté pour nous sortir la donne? Est-ce que vraiment, ensemble de acteurs, ensemble de autorités, yo, yo prêt, yo paré pour aider nous sortir la donne? Mais réalité, jusqu'à présent, les prouver le contraire par rapport avec Jacques Noué, que situation lui-même l'a développé en notre pays. Et j'en désire les dire, c'est que, et car il comme lui-même, et nous connaissons qui c'est lui, bah, nous s'en là, c'est lui qui mettait avec un ensemble d'acteurs et politiques en notre pays, hein, mettait avec un ensemble d'acteurs dans le secteur privé haïtien, et qui, bah, nous s'en là, qui c'est question, et capété et ajouté avec le gouvernement Gaye Kouni, non. Laissez-moi dire que, pas oublier que, car il comme a fait travail, les États-Unis. Elle veut dire que, pas oublier que, car il comme peut-être pas, il n'y a pas grand monde tête, lui. Car il comme peut-être pas le côté, il est là, je dis, hein, et lui, juste, on remote contrôle, la prend l'autre nommé États-Unis en l'énette et la passe l'autre avec Sanri, soit 10 ans, moun ken rele autorité à la canyo. Et je dis, hein, par rapport avec ça qui existait comme problème, je dis, hein, entre et conseil et président yo, et puis et PM Gaye Kouni à tout gouvernement là, mais selon autorité CARICOM yo, yo senti que jouet ça qui a joué là entre deux têtes exécutives là, eh bien, li risque fragiliser. Et bien, période transition, dans période, on dit 12 à 13, 14 mois qui était, et pour deux têtes exécutives là. Alors que, messieurs, dames, qui dans l'État, soit dans le KPT, ou dis-moi ce que, dans le gouvernement Kouni, pour eux-mêmes, ils pensent qu'ils ont 3 ans devant eux, ils pensent qu'ils ont 4 ans devant eux, ils pensent qu'ils ont 2 ans devant eux, ils ont jusqu'à le blender, ils ont gommé pour pouvoir, ils ont gommé pour poste, ils ont gommé pour ministère, comme d'a dit que, ils n'ont pas un vrai problème payant, je dis, hein, qui c'est insécurité, qui c'est misère, qui c'est grand goût, qui c'est chômage, qui c'est un ensemble problème que peuple haïtien lui-même l'a enduré. Il préfère vous mettre pour poste et autant de que vous voulez tel ministère, et si vous voulez tel ministère, vous risquez de révoquer Gaye Kouni. Et qu'on a regardé, révoquer Gaye Kouni dans un moment, et combien de temps ça peut prendre pour choisir le premier ministre, combien de temps ça peut prendre pour choisir deux ministres mettre dans le gouvernement. Là encore, nous pouvons tomber dans une situation de à recommencer, et pendant que tu as passé, joue à passer, et situation je dis, hein, en pile acteur, en pile secteur comprendre, dans le problème qui existait là entre KPT et puis gouvernement Kouni là, c'est ouais, comment vous capable de jouer une solution et corriger ensemble problème qui gagne yo et puis avancer ensemble. Parce que sinon, problème ça yo et qui existait là, eh bien, si vous si pensez, c'est dans Chirépit, c'est dans Goumé, c'est dans parler en pile qui a privé résoudre li, eh bien, problème ça fait carré endurer et quel que soit le KPT et le gouvernement Kouni. Et qui battait yo, yon date butoir qui c'est 7 février 2026, pour ta gagne Samuel un président ou bien un présidente qui a pris un pays, pour ta gagne sénateur et député, pour ta renouveler personnel politique haïtien. Mais jusqu'à présent, moun yon a posé question, yon dit, nan chirépit qui pralé là, nan discussion qui gagne là entre deux têtes exécutives là, yon pas ouè que, messieurs et dames qui la yo, a manifesté volonté pour yon ta résoudre question insécurité ou bien ensemble de problèmes qui gagne là yo, et pour yon avancer vraiment. N'a permettre que gain un climat de sécurité, un climat de la paix qui établit et pour vraiment que paysan li capable reprendre droit grande machel et pour que institution étatique nous yo, institution démocratique nous yo, et bien pour capable reprendre charrette. Mais je dis, hein, c'est de questions mon a posé et yo wè que et gain mon qui clairement dit et quel que soit tes capeté écrasel, quel que soit tes gouvernement qu'on écrasel, parce que yo wè tous les débats pour essayer de s'y venir ça. La situation n'a pas qu'une volonté pour côté monde qui l'a eu, quel était capité, quel était gouvernement, quel était communauté internationale, quel était la police, quel était MSS, quel était l'ONU, quel était Nations Unies, pas besoin qu'on ait. Yon parle de résoudre problème qui est là. Quel était OEA, yon parle de problème Haïti à résoudre.
Ou ta ka di ke Haïti servi comme yon bouc émissaire. Haïti représente yon point fort. Pour yon créer crise à travers le monde là, pour yon kap gérer affaire pa yon. Le monde pratiquement bouleversé. Les États-Unis en particulier, l'Occident en particulier, 30 bout de temps avec responsabilité que yon gagne, nan participé, nan di ke yon aide, yon créé un pile désagrément dans le pays. Mais là, nous prenons si pour la police commande des armes, il faut qu'il passe par l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ambassade des États-Unis d'Amérique, pour balle, accréditation, pour le cas loin du Conseil de sécurité des Nations Unies, à partir de ça, lui-même pour le cap fait, acquisition, ensemble d'armes, qu'il a besoin, et en plus fois, le passé mais là-dedans. Maintenant, le confrère Valérie Numa, qui dit que lui parlait avec un chef. Pour laisser donc garder ça qui est là. Mais dis au chef, ça veut dire, dans quel niveau, qui est le chef qui parle avec là? Qui est le chef? Alors, il y a un cap dans la police. Il n'y a pas spécifié qui côté lui. Comme ça, tout le cap est dans la primature, il y a de la présidence. Mais, je me suis parlé à regarder l'aspect technique problème non. Parce que, dans la dimension que gagne à agir la blaise, il y a besoin des acquisitions de drones militaires des appareils détectifs qui cap détecter négro côté oyé et pour tout mettre bagarre dans méo dans espace côté oyé. Ça dit ensemble chef yo qu'elle parler. Dil yo gade ça avec Anthony Blinken qui devine dans pays. Bon les monsieur parler principal de Blinken dit bon ça pas qu'un petit policier, ça pas qu'un directeur général de la police, le plus semble premier ministre. OK. Parce que nous on est sorti premier ministre pour le temps dans Émirats Unis, pour le temps aller et en Afrique, pour le temps regarder qui est en situation et qui est en cabessé d'autres regarder par là dans l'autre genre, Blaise Peterson. Ziquette. Eh bien, problème n'a pas résolu. Si nous continuons à mettre ensemble restrictions, parce que on dit ensemble matériel sophistiqué, ça, c'est l'affaire de l'armée. Mais ça nous vient là, jusqu'à présent, c'est nous qu'on est que nous avons l'armée qui est embryonnaire. Pour Nations Unies, pour l'Occident, il n'y a pas au courant de l'armée en Haïti, les personnes. Okay. C'est rincé la princesse jusqu'à présent. Qui a un café, il a accepté. Il faut que nous ayons des autorités qui ont couru. Exactement. Il faut que nous ayons un peuple qui décide de faire et tant que j'en ai fait en Afrique. Là. Je ne dis pas que bien tout ni caché l'ombrite. Ce n'est pas caché à plein. Dit les États-Unis, dit l'Occident, à baisse armes ou bien à autoriser les armes entrer dans le pays, et puis même eux-mêmes, il y a sorti des petites notes masse ici pour dire ils regrettent. Est-ce que regret a résolu le problème qui est en Haïti là? Est-ce que si notre que ambassade des États-Unis d'Amérique ou bien Canada, la France, représentant direct l'Occident, qui a tout puisé peuple haïtien, est-ce que si notre qui a sorti a changé de données en Haïti? Non, pas quoi. Je dis, l'État haïtien, avec peuple, t'as de lancer une opération déboulonner l'ambassade dans le pays. Parce que yon pas utile nous en blessé personne. Yon pas utile nous en yon. Au lieu yon utile nous, yon mette dans une situation qui est beaucoup plus compliquée. Parce que yon gen des sous-hommes qui rivent président. Yon gen des sous-hommes qui rivent premier ministre. D'ailleurs, ça qui là yon, nous pas gagne trop garantie sur yon. C'est yon même qui a le déterré au côté yon. C'est des cadavres gâtés qui te gèrent en pourriture. Qui te gèrent en fini. Yon a cherché yon vin là, yon mette dans fini monde. Ça que t'es sénateur, ça que t'es gouverneur, ça que t'es diplomate qui t'es accrédité, qui t'a travaillé dans Haïti, qui fin voler, qui fin plonger dans la corruption, ok? Ça a choisi comme premier ministre, qui t'a un mandat d'amener international qui t'a lancé contre lui pour être ton supérieur, dans le matériel dans ces années. Tout n'est que c'est volé, qui est dans le gouvernement transition ça. Et ça fait une papier l'autre. Et communauté internationale n'a pas payé tout. Parce que n'y a pas droit. Exactement. N'y a pas droit. C'est ça qui me dit, peuple haïtien, nous devons prendre responsabilité. Équipe coq, équipe criminelle, assassin ça autant pouvoir, pas qu'il y a rien qui a fait pour Haïti. Il n'y a pas rien pour perdre du tout. Parce que il n'y a pas investi trop de bagages en Haïti. Si vous cherchez 9 personnes qui sont dans le conseil présidentiel de transition, sans doute depuis que vous finissez dans le poste, si petit n'y a pas d'opportunité pour quitter le pays, pour y'a aux États-Unis, Mario, madame, yo, c'est pas d'opportunité pour y'a aux États-Unis, c'est pas d'opportunité pour y'a aux Canada. On l'a gagné au grand Schengen, non, mais qui a autorisation pour y aller et côté ouvré. À partir de ça,
yo pa gen souci pou peyi a. Yo vin insouciant. Qui est-ce qui soucie de peyi a, je dis, c'est ça qui nan classe ki fiche mieux. Moi-même ou même, parce que nous konnen racine nou fond, ok? Et racine nou en pile par rapport avec famille qui nous gen, qui en est dans peyi a. C'est vrai nous même, nous kap gen opportunité, nous déplacer nou de peyi a, nan vivre l'autre côté, mais et famille qui rete de, qui dans violence kap fait la yo, qui dans viol collectif kap fait yo, qui dans festival coup de balle kap fait yo, qui ça nous de faire avec yo? Si nèg yo te soucié des situations qui dans pays là, ou pensez Leslie Voltaire, ou pensez gars connaissez dans gourmet qui ont tapé, pour nèg kap conquérir plus pouvoir, moi tout le temps poser question ça bon ici a, bien plus pouvoir pour faire qui ça? Est-ce que c'est pour voler tout simplement? Parce que quoi pouvoir? On nèg qui dans l'état ou t'a un serviteur? Serviteur de qui? Serviteur de la population, serviteur du pays. Est-ce que c'est dans le sens négatif qu'elle t'a de fait? Pas quoi c'est dans le sens négatif qu'elle t'a de fait. Il t'a de fait très positif. Malheureusement. Malheureusement, il a joué sur résilience, peuple haïtien. Il a joué sur acceptance, peuple haïtien. On pas qu'être mec qui était dans grand goût, qui a cherché pour mettre manger dans le bol. Yo, et il a décidé n'importe qui j'en y a mangé. Et après, il a crasé le bol là. C'est ça que ça a fait là. Eh? N'importe qui j'en. Les États-Unis, l'Occident choisi, organisation régionale la créer les carrés comme non. OK? Qui te gagné comme qui te là comme régulateur marché commun Caraïbes. Je dis yo rentre dans dossier qu'elle pas même maîtriser, qui c'est l'affaire politique de un pays qui est 220 l'année depuis l'indépendant. Comme c'est des missionnaires yo livré la République. Tout le temps n'a dit que ça gagne là comme insécurité dans pays a. Li pa date de jodi a. Et jodi a que communauté internationale la soutenir. C'est depuis 1994-95 que nous avons dit les États-Unis c'est patron fort pour la police. Et jodi a nous pratiquement trouvé dans 2024 où nous avons plein de modes d'équipement. C'est jodi a pour y apporter quelques véhicules de transportation de tout. Ça ba yo la pa de vrais blindés de combat. Yo te promet que ta baye blende d'infanterie. C'est ça que yo te dit. Yo fait gros pal en pile. Et puis, an yé pas jamais fait. Tout moun gade, ouè nèg se nan tete qui a passé à Haïti. Et puis, yo même, y a pris les affaires par yo. Y a investi gros l'argent. Y a investi gros matériel nan guerre qui a fait la Russie à Ukraine. Est-ce que ça, li genere plus intérêt? Secrétaire général des Nations Unies a passé dans tête montrer le fâché parce que il dit les guerres nèg yo mettez l'argent les banques qui fait faillite nèg yo pressé par l'argent yo besoin 600 millions de dollars pour question mission dans pays a et li poko arriver par que ça va passer là les États-Unis a mettez barrière pour boukele pa vinn là ou bien si boukele a vini li obligé venir en cocorate en grapiaille même dans tout l'autre pays qui a vinn là ou les personnes. Nous besoin qu'on ait ça. C'est ça qui a arrangé pour nous faire. Qui paye en Afrique? Qui te dit que ça qui est là, c'est l'affaire militaire, il paraît pour le déployer 1000 à 1500 ou bien 2000 militaires. C'est Bouandi. C'est Bouandi. Néanmoins que, yo d'accord, retirer cette mission dans les Kenyans. Dans la police. C'est affaire policière. Exactement. Malheureusement. Ou pas, ouais, que le Conseil de sécurité des Nations Unies pas pété dans ton champ, et sénateur, tu dis, tu dis, sénateur, tu dis, tu dis, il va pété dans ton champ, et personne ne regarde. Il va pété dans ton champ, et mon grand sante. Pense ça qui a passé à bon pour lui. Et de fait, ambassadeur, pays des États-Unis, accrédité dans le pays, il montre que tout bagay rose, tout bagay correct, il même pas sous menace. Personnel, il pas sous menace. Ambassade là pas sous menace, tout bagay correct, c'est nous-mêmes qui avons mis, si nous pas sous que nous. C'est nous-mêmes qui continuons à faire, c'est nous-mêmes qui continuons à courir, c'est nous-mêmes qui continuons à violer, c'est nous-mêmes qui continuons à décapitaliser les situations. Et effectivement, des civilistes, nous allons finir avec Claude Naïde Antoine, puisque j'aime des titres à l'œil. Et nous allons regarder pour nous, puisque information par rapport avec Rivé et nous de nouveau. Et blende sayo, bon, qui qualité blende yoye, qui genre de blende yoye, et peut-être est-ce qu'on estime sur son quantité chifflant, mais en même temps, tout n'a pas gardé tout, comment ça est dans rentrer dans le pays, dans on parti dans Cité Soleil, et comment ça est dans Badelma ou de l'aéroport, et comment la vie lui-même y est dans la capitale haïtienne, non? Et Clonade Antoine, ou avec nous, et comment ça est, mon frère? Non, forme Blaise, non, forme, baron, si vous copiez bien, Blaise. Et on forme là, en noir, allez pour nous, espérez que tout va passer bien.
Yes, merci en pile. Qui t'aime saluer, qui t'aime saluer des Yvelès, qui t'aime saluer et toutes les amis internautes qui sont toujours ensemble avec nous, surtout et dans l'émission Parler pour Changement. Et j'en dis, et comment ça les même lié dans la région métropolitaine, dans l'entrée dans le pays, et qui dernier détail qui gagne comme information, mais c'est ça que je vais faire ensemble avec les amis internautes et avec nous tous, messieurs. Rapidement, nous avons dérapé dans l'entrée dans le pays pour nous capables de dire comment ça les même lié dans l'entrée dans le pays, mais nous avons mis quatre nous, nous avons mis quatre nous exactement. Dans la zone Akaye, comment on s'allie même lié dans la zone ça, ben faut que nous jouons et dans la zone ça, ben Blaise, ben activité au même yo pas trop et au rendez-vous et dans la zone ça par rapport avec ben problème qui toujours gagne dans limita, toujours gagne dans limita suite avec ben effets ici au même qui continue à simer des agréments ben dans la zone ça. Ben toujours gain en pile panique, oui toujours gain pile panique qui a pas fait dans zone ça. Environ 7000 moun déjà couri qui était ville Akaye pour aller réfugier sous île Lagunave à commune Instagalé, et ben à cause menace criminelle exam et ben yo et selon et magistrat Enso Louisien lui-même qui a décrit situation chaotique qui gagnait ben dans zone Akaye Blaise par rapport avec un problème qui continue à ben gagner dans zone ça ben toujours gain en pile panique eux même ben dans commune Akaye mais faut que nous c'est yon rentrer dans pays activité eux même yo censé toujours rester paralysé dans zone ça yo par rapport avec activité transport lui-même qui pas fonctionnel et j'en nous t'ai toujours dit c'est toujours bout par bout ben activité ben eux même yo fait dans en commune ça ben activité transport lui-même c'est toujours bout par bout ben li fonctionner dans rentrer dans pays avec. Et bout par bout ça veut dire qui ça veut dire que est-ce que c'est par rapport avec Andy moins problème circulation et état routier ou dis-moi est-ce que c'est encore situation avec gang armé qui ont même toujours occupé ensemble de l'espace. Et c'est nous du bout par bout là je veux dire ça et c'est toujours même situation les mêmes qui pas fait et par rapport avec mes activités route là lui-même qui toujours qui pour libre ben toujours gagner yon partie dans route là lui-même qui pas fonctionnel donc machine qui qu'on habitué à prendre direction zone Akaye qui qu'on habitué à prendre direction zone on capable dire Saint-Marc-Lester ben toujours pour gagner possibilité pour machine ça même yo franchi espace ça on toujours dit limite là lui-même c'est toujours dans zone et cabaret avec Titanien mais et dans zone cabaret Blaise mais te gagne petit panique tout et par rapport avec ben la police qui même qui s'est tenté et nous capable d'y reprendre contrôle commissariat qui dans commune cabaret ben te gagne petit panique mais les effets yo même yo débarqué en chango matin avec nous capable d'y et pour alouyo avec engin louyo bakolo de yo mais pour vider et ben reste commissariat lui-même à terre parce que la police même ailleurs s'est rivé eh ben dans commune cabaret fait quoi que eh ben yo gain contrôle et commissariat et cabaret mais effets police même qui rivé Blaise eh ben yo fin faire photo yo faire vidéo eh ben yo pas arrêté dans commissariat eh ben yo quitté espace là mais effets même qui yo même yo débarqué matin avec bakolo de et puis mettez commissariat ça à terre dans zone cabaret et ça tout qui te gagne et qui te permet de mettre gain échange de tir ben dans zone cabaret et son façon pour nous rentrer dans pays lui-même il y a connait des moments difficiles et compliqués surtout pour monde qui toujours fréquenté Outa là nous dit monde qui toujours fréquenté Outa surtout pour madame Sarayo surtout pour chauffeur moto yo chauffeur camionnette yo chauffeur et minibus yo même qui qu'on habitué et prend direction ça surtout ça qui qu'on a prend direction département la Tibonite pays a mais toujours gagne gros panique mais faut que signaler tout et dans station qui pour machine qui charge qui pour prendre direction département la Tibonite et jodi a nous passer Blaise nous contrôler sous droite nous quantité minibus yo même qui camper nous t'es capable contrôler environ 3 qui camper dans station ça et dans jour avant au lendemain qu'on a passé dans station ça Blaise son véritable rololo qui connaît plusieurs minibus plusieurs petits machines chauffeur moto et tout le monde a travaillé dans la station ça mais depuis pendant mais déblocage ça lui-même éclaté dans zone nous capable dire dans zone Akaye et ben gagne panique dans station yo et ben chauffeur machine ça même yo pas gain possibilité pour charger
et ou pas joindre monde tout, ou pas joindre monde tout qui pour prendre direction ça, et ben ensemble avec eux, nous là aujourd'hui nous passer dans station ça qui dans rentrer tête piste là, mais nous contrôler sous droite nous trois minibus qui campaient et c'est pas chargé à charger. Qui campaient, c'est pas chargé à charger, et ben c'est une situation lui-même qui paraît très difficile et qui a un gros impact même sous les régions métropolitaines là. Ça qui a passé dans la commune Akaye, dans la zone Cabaret, mais ça lui-même, il y a un gros impact, même sous la région métropolitaine de Blaise-Pierrefonds. Et par rapport avec l'information notamment sur la commune Cabaret, Jean-Zéphir fait ici même, il était arrivé dans Cabaret, mais il a bloqué rentrée sous la zone Akaye. Ça veut dire qu'il sorti dans la zone Akaye Blaise pour rentrer Cabaret, mais il n'a pas joué une possibilité parce que monsieur même, yo te bloqué parce que on a gagné boy yo même qui dans zone AKSC et seulement si boy t'a tenté rentrer pour venir ben répliquer avec yo même qui t'a crasé commissariat ça ben ou te gagné temps bloqué et ou connaît tout dans zone sous-mat là dans zone Canaran ben zone ça c'est dans plein main au lieu dans plein main au lieu ça veut dire ben t'a difficile pour la police même li t'arrivé ben dans zone ça jodia par rapport avec ZFI yo même qui t'a ben crasé commissariat ça lui-même qui dans zone et Cabaret Blaise. Baba Mando Saclodel et Antoine, est-ce que quand y a un dit rivé intervention que les policiers ont fait, je n'ai quitté lundi, et Cabaret, surtout dans le commissariat, est-ce que dans l'échange coup de balle avec Bandi, est-ce qu'on a une idée de un bilan, et soit bon côté Bandi, bon côté la police, de situation que tu as gagné, et dans la zone commissariat Cabaret lundi 28 ans? Et non, pas gagné un bilan qui sorti suite avec échange de tir qui était gagné entre policiers avec pour capable dire bandits dans commune Cabaret, pas gagné un bilan, mais et Jean-Noël Diablaise la police même qui est arrivé. Effectivement, il est arrivé dans local commissariat, mais c'est un commissariat qui pas de policiers là-dedans, la police oui, qui t'a abandonné bien des temps. Oui, qui t'a abandonné évidemment qui t'a abandonné mais la police même l'a livré et photo, vidéo faite. Après ça, monsieur, pas siégé, il n'a pas arrêté dans le commissariat. Non, non, la police a agacé bandi. Bon, oui, la police a agacé. La police a battu dans la même formule avec bandi. Fait vidéo, bagaille. Vous prenez la police a battu dans la même formule. Il va être chargé net, oui. Et ouais, immédiatement, il a fin allé, et bien bandi même débarqué et écrasé le commissariat. Yeah, mais j'en dis en coup de la Clonel en 3, j'avais dit après police te font arriver dans commissariat dans lundi 28 ans. Et pour matin samedi 29 ans, et 29 ans, c'est que bandi yo même yo allé dans commissariat avec gros et appareil yo, yo crasé, si reste qui était campé, bien, yo crasé commissariat platate, non? Évidemment, yo allé nous capable di blaise avec équipement yo et maillot et képi UVD yo et sou yo débarqué et ben dans commissariat Cabaret et ben reste là qui t'est resté à monsieur même yo fin mettel internet et ben c'est ça yo même yo fait dans gars pile qui t'est allé partout dans base et ça qui passait dans zone Cabaret et entre hier avec je dis oui gain information fait quoi gain plusieurs dans yo qui partout dans base. Bon, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle, et parce que Jean nous dit là, entre hier, avec Jodal, la police, et Jean nous dit là, comment elle est capable de prendre et river dans le commissariat, et bien, bandit lui-même, il a mangé guep, et mette et commissariat à terre, et Jean dit à Désir, est capable de toujours gagner dans le qui allait, qui était prendre son commissariat, qui partout. Parce que, il y a trop de cognons, évidemment, avec la police dans la commune Cabaret. Kounia, là, je vais avancer avec vous, puis je vais aller regarder avec vous toutes ces informations. Et Kounia, se regarde comment je dis, station machine la Tibonite, ce matin, qui vraiment n'est pas au rendez-vous avec quantité machine, puisque ça a développé, je ne le dis, dans la zone Cabaret, les créer la Pérez la Kaimounio. Mais Kounia, vraiment rentré dans Orléans, zone du Vivier, zone Canaran, l'autre côté dans la zone Cité Soleilio, zone et Kafoudouya, Kafou Vincent, zone Sayo, et comment ça est lui-même? Oui, bon, regardez, depuis dans niveau et route nationale numéro 3, et c'est surtout route nationale numéro 3, lui-même qui a une possibilité pour prendre direction avec plusieurs et nous capables de départements, tant que département nord, département centre, département nord-est, département nord-ouest, eh bien, gagner plusieurs machines, lui-même qui faut filer là sur route nationale numéro 3,
qui prend plusieurs directions, plusieurs départements dans la région. Mais faut que nous et route nationale numéro 3 gagne plusieurs machines qui prend direction ça, mais c'est surtout les chauffeurs machines eux-mêmes qui toujours respecter conditions, qui toujours appliquer principes dans plusieurs carrefours, dans plusieurs axes qui a passé dans zone tant dans zone on ville dans zone et l'autre prend monde cabrit. Eh ben on a pu joindre des postes de péage là, monsieur même yo toujours à terre, yo toujours dans bloc yo pour toucher dans mes camions marchandises et camions transport en commun, camionnettes, minibus, oui yo toujours présent dans zone ça. Gardez dans un bon repos et dans un point bon repos là, relais à fait entre route nationale numéro 1 et route nationale numéro 3, toute activité censée à fait dans zone ça, mais toujours gagner difficulté pour machine franchir dans zone bon ancien local sous commissariat bon repos parce que route là lui-même il est toujours en mauvais état et en mauvais état suite avec plusieurs camions remblais et mes effets dans zone ça ou même yo té metté dans route là mais route là lui-même toujours en mauvais état mais machine presque pas fréquenté route ça machine presque pas fréquenté route ça et route secondaire machine yo fait machine qui a pas sorti dans zone capable dit et centre-ville pour prendre direction Grand Nord. Ben yo passé soit dans l'île d'Avoir 3 ou du moins dans l'île d'Avoir 1 pour rentrer dans zone Rosenberg pour venir sortir exactement et sur route nationale numéro 3 pour franchir Carrefour route 9 commence à lui-même lié zone Carrefour 9 toute activité au même yo a bougé plusieurs machines répondre présent chauffeur moto yo disponible dans niveau Carrefour route 9 ben pour garder comment capable ben passer journée au dans niveau Carrefour route 9 zone Merger les bouts village la Renaissance Carrefour Renaissance Carrefour Fuji Carrefour du Vivier exactement toute activité même yo a fait dans niveau ça yo machine business yo l'ouvri nous capable dit et chauffeur moto disponible chauffeur camionnette yo même yo mobilisé dans niveau et soit Carrefour du Vivier ou du moins Carrefour Fuji pour jodi ya. Machine qui a metté tête droite sous commune Cité Soleil, machine qui a passé droite dans zone et Boucline, machine qui a passé dans zone projet d'ouya Bois Neuf, gagne camionnette qui a chargé là dans niveau Carrefour du Vivier pour aller ensemble avec vous et machine tout qui a prend direction trois mains qui a prend direction Carrefour et Vincent, eh ben yo a passé exactement dans niveau capable dit zone Ténoir, barrière fait, il a passé devant Médecins sans frontières pour aller jusqu'à Carrefour Vincent. Carrefour Vincent, de Carrefour Vincent avec Carrefour Ya, tout bagay en forme, tout bagay ok. Blende a li même a entendu te répondre présent, surtout dans l'end a passé à la niveau Carrefour et Carrefour Ya, oui, et activité au même lieu ta fête, machine tout qui t'a pris en direction, nous capable de dire station Gonaïve, machine qui a pris en direction Tête Bœuf, machine qui a pris en direction commune, soleil, surtout dans zone dans Boston, mais on a joué une camionnette qui a fait espace ça ensemble avec nous. Nous toujours fait coup de guidon pour nous monter dans zone 3 mais pour nous garder comment ça lui-même lié, eh bien, arriver dans le niveau 3 mais ou après là, son véritable bololo, qui machine, chauffeur camionnette, chauffeur moto, ils sont tous disponibles, surtout devant le parc industriel sous la pia là, ils attendent dans le parc industriel là, lui-même terminé, eh bien, pour capable de joindre la vente par eux, parce que c'est ça, ils attendent surtout, et qui machine. La police, tout, l'immobilisé dans le niveau 3 mais, monsieur, même, ils sont très mobilisés dans le niveau ça, yo chaque wè ki gen ou capable wè trois camper dans bon ça trois camper dans l'autre bord ben yo très présent dans niveau 3 mai pour jodi pendant 3 mai nous a font coup de guidon pour rentrer sur route Maïgaté à Blaise mais n'a pas arrêté dans airport là n'a pas rentré en dans airport là pour nous garder comment ça lui même lié et ben hier soir Blaise hier soir gen plusieurs blindés yo même qui rivé dans airport là gen plusieurs blindés nous même nous sommes capables de remarquer, nous sommes capables de dire environ 5 blindés, environ 5 blindés que nous même nous voyons, mais qui sont capables d'arriver dans n'importe là. Mais, et Blaise a mentionné, ce n'est pas un blindé noir, et ceci, ce n'est pas un blindé modèle MRAP. Ce n'est pas un blindé noir, et ce n'est pas un blindé modèle MRAP. Nous même dit modèle MRAP, c'est un gros blindé, ça qui. Non, non, il n'y a pas à chaîne, il n'y a pas à chaîne et désir. Mais et c'est des blindés nous même nous capables de dire et de couleur vert olive de couleur vert olive et yo yo nous capables de dire et jodia et bon est-ce que c'est pour la MEA nous pas connait est-ce que c'est pour force multinationale là tout nous pas connait mais désir il y a des informations qui et rivent joindre nous que nous capables faire confiance nous mêmes et c'est pour ambassade américaine et blindé ça au même lui c'est pour ambassade américaine parce que connait et tout dernièrement là gagné mais attaque qui était faite mais sous machine et ben dans parage ambassade américaine là et ben information t'a fait quoi que et ben blindé ça même qui vivait
environ 5 que nous-mêmes nous capables de contrôler. Et environ 5 blindés, un blindé, ça, eux-mêmes, c'est pour l'ambassade américaine. Mais Claude Naïder, attendez, qui ça, l'ambassade américaine, fait blindé encore? Bon, il y a contact serré de temps en temps avec chef gang, pour le dire, monsieur, comme ça qui passe, n'a touché l'argent, nous attend, pas venir tirer sur l'espace là, nous pas de problème pour les armes rentrer, venir jeune, pour cartoucher, rentrer, venir jeune, nous. Qui ça a besoin de blindé faire encore? Qu'on y a policier pour l'affecter dans blindé, ça, pour garantir la sécurité de l'ambassade, non? Non, mais ça qui arrive tout pour transporter personnel à l'ambassade, mais qu'on y a là, et transporter personnel à l'ambassade, aller dans l'ambassade là, qui ça va le servir, parce que imagine l'ambassade là fermé, et on a dit qu'il y a transporté personnel pour aller à l'ambassade en blindé, on nous garde donc, moun qui va prendre service, qui va passer, qui a fait passer dans une zone qui fragile, il faut avoir blindé pour tout le monde, ça autour. Donc, là, quelque part, mon vision dit, c'est d'abord l'ambassade, m'a posé question, comme si, utilité, mais quand beaucoup est utilité, mais m'a regardé, est-ce que c'est à ça que ta meilleure solution. N'avez-vous pas pris ce problème ici? Oh, oui. On m'a l'avancé, Claude. Oui, oui. Et je nous ai dit, environ 5 blindés, ou même, de couleur vert ou olive, je nous ai dit, ou même, qui vivait et dans n'importe là, hier soir, mes informations, ou même, je nous ai dit, fait quoi? C'est pour ta, et c'est pour l'ambassade américaine, et je nous ai pas décrit à monsieur. Et vraisemblablement pour capable transporter personnel et ambassade là et en plus tout et nous connaît une attaque qui était faite sur plusieurs machines et dans périmètre dans parage ambassade américaine là et vraisemblablement c'est raison ça même qui fait et ben États-Unis lui-même il plusieurs blindés et ben pour équipe yo même qui en Haïti je nous dis blindés eux même arrivé c'est pas blindés noirs que vous voyez pour et PNH ou du moins pour Force Armée d'Haïti, c'est pas blindé modèle MRAP qui vivait en soutien avec monsieur Force Multinational, mais c'est un lot équipe blindée yo même qui vivait hier soir dans l'aéroport là. Nous avons sorti, nous avons quitté l'aéroport là pour nous prendre direction route de l'aéroport pour nous dire comment route de l'aéroport lui-même lié, route de l'aéroport gros business, petit business yo même nous toujours regarder ça, yo l'ouvre porte yo et banque commerciale yo bureau transfert, nous toujours garder tout, yo l'ouvre porte yo tout. Jodia sur route de l'aéroport, eh ben c'est un pile monde jodia yo même qui a pas défilé surtout devant banque commercial yo et sur route de l'aéroport. Activité transport les même li a bougé mais l'on pral arriver monsieur exactement dans rentrée piste là on va toujours gagner un marché pressé qui a fait surtout bon côté chauffeur camionnette bon côté chauffeur bus yo toujours dit yo toujours mentionné yo pas camper dans val là le bon Dieu pas camper dans val là. Mais c'est dans rentrer cette piste là mais là yo considéré yo mettre comme on va par rapport avec mais forte détonation qui toujours à fait sous piste entre et sous piste et zone dans village solidarité et mais monsieur même yo toujours dit on pas camper dans va soit nous descend avant ou du moins nous descend après toujours bon en marché pressé dans rentrer piste là j'ai nous dit tout à l'heure dans station et qui dans et rentrer piste là dans zone C4 et ben grande machine grande minibus même qui là capable contrôler sous droite. Et ceci, même chargé ou pas chargé, et dans cette station ça, et pour être capable de mener mon soit dans une zone de Sema, dans zone Gonaïve, ben, minibus ça même chargé ou pas chargé, pour aujourd'hui, dans rentrer cette piste là. Je vais rapide vite dans le niveau Kafou de l'aéroport, pour être capable de comment ça lui même lié, ben, toujours gagner un gros impact dans le niveau Kafou, pour tout suite avec, ben, bataille qui vient dans zone Solinois. Quand c'est monde qui connait gagner dans niveau Carrefour de l'aéroport, quand c'est monde qui connait traverser qui peut aller dans activité yo, quand c'est élève l'école nous connait remarquer dans niveau Carrefour dans jour avant yo, eh ben pendant semaine là toujours gagner et eh ben ralentissement surtout bon côté petit machin yo, surtout bon côté monde qui peut aller dans activité yo qui connait habitué à traverser pour direction Nazon, eh ben toujours et eh ben pour moment ça gagner et une capable dire un petit calme, un calme. Eh ben bon côté quand c'est monde qui connait prendre direction Nazon, monde qui connait prendre direction poste machin. Eh ben moun yo même yo ralenti dans activité ça yo pas prendre direction ça yo et ben pour arriver dans niveau Carrefour ou après c'est en zone les même parle et par rapport avec quantité activité qui était connait dans temps avant yo et ben pendant semaine ça il y a pile moun yo même qui pas descend et vinn régler activité mais ça pas empêcher on joine plusieurs petites machines yo même qui sous quoi yo plusieurs petites machines qui dans station province là ça qui sous place là qui a pas dégagé yo pour comment capable de passer journée dans niveau Carrefour au point mais c'est en pile là c'est toujours avec en pile qui est sauté c'est toujours avec en pile qui est sauté regarder sous visage yo toujours remarquer ça ou toujours ouais
eh ben yo a veillé on sachet de l'eau pété seulement capable mettre panique au niveau Carrefour pour par rapport avec bataille qui gagne dans en zone Solino Delma 24 qui toujours a arrivé dans zone d'ayo on je nous dis on sachet de l'eau pété mais capable gagne panique. Eh ben moun yo même yo là yo nan ni fòk afò pou mais c'est sous pression c'est sous tension eh ben yo a passé journée c'est sous pression c'est sous tension yo a pas dégagé yo a vendre ti commerce yo nan niveau Carrefour pou jan nou a ville et gagné quelques élèves l'école nous remarqué qu'il y a pas sorti nan niveau Badelma surtout nan lycée qui nan zone Delma 3 nous remarqué élèves l'école qui a sorti là qui a monté nan niveau Carrefour pou et c'est tout on va parler de lycée dernier Fignolé. Non, dans zone en dans Delma 3, là rentrer et dans Delma 3 pour soit on sorti sous piste ou capable sorti sous piste ou du moins pour passer dans Delma 3 ou monter Carrefour pour pas dernier fini. Au grand lycée dans zone ça. Grand lycée dans zone ça en dans et dans zone Delma 3. Ouais, là et gain élève doit marquer qui a pas sorti dans l'école ça et yo fait groupe de 5, groupe de 10 pour monter dans niveau Carrefour de l'aéroport. L'école qui dans Delma 11, l'école qui dans Delma 16, ils ont fonctionné et pour ne pas dire ils ont fonctionné et pendant ce maintenant malgré tout et des blousailles qui a fait et pas trop loin surtout dans zone Delma 24, et ben l'école eux-mêmes ils ont fonctionné et élèves eux-mêmes tout ils ont défilé l'un après l'autre pour aller recevoir et faire de l'instruction même que c'est avec un pile qui est sauté et ben ça qui avec parents yo ça qui seul j'en ai dit ça qui fait groupe de 5, groupe de 10, pour capable quitter espace là pour capable prendre direction et la caillou pour moment nous on parler là mais Désima on est sur des questions additionnelles à poser avec Lionel Antoine. Très bien, dans divers espaces que tout passé on regarder à court comportement population et présence la police à combien pourcent que ouais la police répond avec rendez-vous quotidien qui était gagné dans divers axes dans la rue. La police est nous capable de dire des zones nous parce que nous toujours dit nous pas remarquer présence policière surtout dans rentrer dans pays là c'est bon bagage qui fait du tout ça gagne quelques temps mais des pour arriver exactement dans niveau Kafoudouya ou joindre blindé trois mains gain présence policière ou de l'aéroport capable toujours joindre patrouille à passer mais dans zone ça même qui pas fixe qui pas campé et bon toujours joindre des patrouilles qui a passé. Et nous capable mettre à 70% gagner présence force de l'audio dans la ria à 70% oui gagner présence force de l'audio dans la ria et ou capable li tout sous visage moun yo même qui a parlé et activité coutumière aujourd'hui mais ou capable li sous visage yo désolation oui ou li sous visage yo et tristesse parce que eh ben ça ou t'a pas attendu non eh ben c'est pas lié au joindre parce que situation même yo vinn plus compliqué yo vinn plus dégénéré parce que et des dire quelques machins dans niveau Carrefour pour moi même personnellement qu'on a fait disposer ensemble avec yo et situation lui-même li très difficile quelques machins qui sont dans zone Delma 24 et situation très difficile pour eux c'est vrai. Il y a une possibilité pour passer pour descendre dans niveau Carrefour pour on a demandé on a posé cette question qui gens y a fait tourner la caillou si yo joine accès pour descendre Carrefour pour mais qui gens a fait tourner la caillou pour capable soit al passer nuit là avec Mario parce que situation difficile et depuis le fait midi 1h yo pas même rester yo plier bagage yo aller donc situation qui très difficile et pour population surtout qui dans zone et ben débrousaille continuer à péter continuer gagner et la terreur qui abstime et dans zone ça. On est dans tout de blosa ça yo, est-ce qu'il pas gagne des impacts sous secteur éducatif là? Et parce que nous connaissons de Solino, dans moment côté mon a courir Delma 24, côté mon a courir l'école là, il pratiquement paralysé, mais est-ce qu'il pas gagne des dispositifs qui prend bon côté si là qui dans secteur éducatif là pour relocaliser ti moun ça au cap courir pour moi qui au cap recevoir plein de l'instruction. Et mon capable de vous dire deux zones ça que cité là Solino Delma 24 et ces deux zones et ben l'école censée fermer net l'école censée fermer et surtout pour moment ça là l'école censée fermer net et ceci pas gagner rien ou du moins pour qu'on gagne rien qui dit bon côté autorité et bon côté autorité yo et pour poser éducation dans deux zones ça et ces deux zones nous capable de dire l'école fermer si mon couri caiboulé avec tout ça mon te gagner et ou du moins tout moun ki kouri yo al réfugié sou place gen un groupe moun ki sorti et dans zone Solino Delma 24 ailleurs
que nous-mêmes nous avons visité sous place qui est dans Delma 31, hein? Oui, et yon groupe moun yon même qui sorti dans zone souligne Delma 24, et bien yon obligé à réfugier au monsieur sous place qui est dans Delma 31, c'est un groupe moun qui l'a gagné, et bien deux bras balancés, et faut qu'on dise nous monsieur, pendant semaine ça là, en pile la pluie tombé sous Port-au-Prince, en pile la pluie, et bien a tombé sous Port-au-Prince, et bien moun ça même qui l'a gagné deux bras balancés, yon pas gagné ni moun pour relayer, et pas gagné moun qui pour répondre tout. Bam demande ça Claude d'aller en train puisque va parler des monde qui se place des matratins, c'est une zone que plus ou moins connaît. Bon, Léo dit place des matratins, dit pas bon, c'est comme si on des petits pièces caille. Il dit bon place vraiment qui compris l'espace bagaille non. Donc il va être un petit pièce caille parce que moi sur côté à tout gon petit bail gym et n'a qu'on a fait sport là-dedans, il dit bon place très bien. Lors il venait espace ça et des matratins et Claude d'aller Antoine. Non mais comme si comment décrit comment on voit moun sur place là. Par exemple, on regarde est-ce que et bon côté que tu es fait déjà pour te dire après c'est voir monde pas aucun on dit espace en termes de caille bah qu'on aime dire comme ça et qui ca loger monde qui différent de place et place des artistes de bassin qui ont ensemble de petits caille là pas aucun bagage là lorsqu'il venait espace ça qui j'en ouais monde est-ce que c'est à terme de mettre dra ou dormi est-ce que monde bah qu'on est dra au marée bah qu'on est mais qui j'en ouais réalité pour monde ou dit qui était soligné au cal réfugié sur petite place des matratins. Et dans l'année nous sommes arrivés à une élite et la journée blaise, et bien c'est moun nous te wè qui campé ou du moins ça qui pas ka campé, yo cherche côté bon on bout roche, yo mette yo chita. Ça qui pas ka campé, cherche côté qui gon on bloc, yo mette yo chita nan coin, côté qui gen un petit ombrage, côté qui gon petit ombrage parce que ou dil et ou konnen blaise, c'est pas un gros espace place ta li même lié. Et ça qui pas ka campé au blaise, yo cherche un côté. Yo gen blaise nous remarqué qui tout mais camper avec valise dans dos yo tout camper avec valise en bas pour yo parce que yo vraiment yo oui il a cherché son monde yo camper en soldat yo camper évidemment yo camper en soldat j'ont dit a valise toujours dos yo ou du moins yo mettons timon yo mettez timon yo chita bon côté yo et c'est blaise yo avec timon petit son situation qui très difficile et me dit nous monsieur la pluie a tombé en pile sous région métropolitaine là pendant jour ça et ben moun yo même qui a connait des moments moun ça dormi non là ba quoi moun dormi sur place ça ba quoi moun dit non pas dormi et surtout et dans espace ça parce que par contre pas même on kiosque même pour en bas sous place là pour moun yo même yo te capable loger pour moun yo te capable loger éviter mouri la pa gen dormi qui gen dort trois là-dedans qui t'a capable pas comme ça même pas comme ça même non pas gen pas comme ça du tout non sous place Bam da en parlant de kiosque on parler à la Claude d'aide Antoine même tout monde ça est-ce que kiosque qui chouchen mas dans place ça est-ce que gen moun qui déplacé forcé qui était sous libre qui la donne. Non, pas rien déplacé et sous place qui sous champ de marché, pas rien déplacé et chaque groupe déplacé au même, yo gen nous capable di yo non local, ça qui nan et rec théâtre, ça qui nan et Marie Jeanne, ça qui nan plusieurs autres écoles et nan Argentine Belgrade, ça qui nan et nan Virginie Stamper, ça qui nan et jeune fille 1, jeune fille 2, yo pas c'est la voix qui monte pio dans zone Capron les net, c'est la voix tout dans espace ça yo. Oui, c'est dans tout espace ça yo, mais yo pas sous place yo pas quitté yo mettez tente et gens yo qu'on fait et avant et yo pas quitté yo mettez tente pour sous place ni sous place d'Italie dans zone kiosque qui gentil pas rien ça. Et c'est dans zone rec théâtre j'en nous dou là dans zone et dans zone rec théâtre du moins dans l'autre espace que moun yo même yo mette et pour capable et loger et déplacer carrefour et déplacer nous capable ajouter Solino Delma 24 parce que moun sa même yo continuer yo même yo appui dans gymnasium Vincent. Oui, c'est un gros espace que nous même nous on habitué visiter chargé avec moun même si moun 16 17 ans qu'on habitué accoucher dans espace ça dans gymnasium Vincent. Et ben c'est situation ça qui moun yo même yo tap konnen avant et yo continue à konnen et n'importe au point mais ben m'en de ça non et pour me quitter aller net Claude d'aide Antoine et dernier update sur situation sur l'île comment ça y est. Et ben update là lui même c'est qui ça y est Blaise, c'est toujours côté bruit qui continue à faire, c'est toujours mettez ici qui continue à faire.
c'est toujours des échanges de tirs qui toujours a fait dans le quartier Solino. Nous sommes capables de dire qu'il y a un calme qui a régné dans la zone Solino parce que les effets ici eux-mêmes, tout le matin là, ils continuent eux-mêmes à mettre dictée dans le quartier Solino, dans le quartier de la 24, parce que il y a un pile espace qui en bas en prise, monsieur, dans le quartier Sao. Un pile espace. Eh bien, monsieur, même, vous mettez en bas en prison dans le quartier Solino de la 24. Eh bien, toujours gagné des blousailles qui a fait dans l'espace par rapport avec Zéphéis, Tenpessio, avec Zéphéis, Barbecue, même qui il fait en mettant ensemble, qui mettait ensemble, qui en dit, pour capable attaquer zone ça, pour voir comment capable bien contrôler, pour qu'on gagne trop d'informations et qui gagne bon goût dans zone ça. C'est toujours panique qui a régné dans le quartier Solino avec Delma 24. Merci à Belic, Claude Antoine. Merci pour mon travail. Ça, on a toujours été connectés. Si toutefois, tu as des évolutions en termes d'information, on va manquer d'informer sur Internet. Merci à Belic, Claude. C'est ton bon travail. Merci à Bill. Merci à Bill. Bon, les IA nous gardent, non, puisque j'en ai dit, hein. Et CARICOM, fouillez bouche dans le dossier, ça. Bon, pas besoin de parler de blender, ambassade américaine. Bon, ça, bon, dernier, dit déjà, parce que ça me paraît dire ça. Ça m'a pas ça me paraît dire ça. Si c'est vrai, bon, honnêtement, ça me paraît dire dans le parce que, quel que soit le monde. Information, ça diverse, parce que, l'information qui fait quoi, c'était Gary Coney dans des démarche que l'été fait, était pour mettre une acquisition que tu as faite. Pour matériel vini respectivement pour l'armée d'Haïtien, ça a de matériel pour l'armée à opérer en attendant par rapport avec l'autre matériel qui a de vini. Mais comme ça, tout de l'autre version qui dit que c'est pour l'ambassade américaine. Pour nous arrêter, pour nous retenir que l'autorité et l'État, par voie officielle, dis-nous qui, pour qui est acquisition ça fait. Exactement, c'est ça. C'est ça, maintenant, l'autorité dit pour qui est acquisition en fait. Tout dit, mais que les noirs, les journalistes qui portent nous, Clonade Antoine Kelito, ils ont avoué si ils ont blindé ça dans la rue, peut-être dans des zones que nous connaissons, je dis que la police a mené des opérations, bien fait des interventions. Les ça, peut-être, il a essayé de comprendre, c'était des blindés pour faire l'audio. Mais jusqu'à présent, ça, on t'a dit, c'est pour. C'est pour la police, il y a toujours à rentrer dans quatre dépenses inutiles qui pas porter qu'un résultat pour quantité de blindés que nous gagnons depuis leur existence. La police qui l'a qui pas qu'à changer de données, c'est policiers continuent à mourir. Je dis à vous, t'as dit que vous achetez blindés toujours, c'est juste pour cap faire et c'est de fugir que vous envie faire. C'est pas des moyens qui apportent des solutions durables ou bien des solutions palpables dans la question résolution problème insécurité parce que nous connaissons ça nous gagne là les besoins. Et des matériels volants, ok? Les besoins pour nous prendre contrôle aérien, pour nous prendre contrôle maritime, non? Parce que je dis, les bandits ont avancé fort sous la mer. Ils ont presque pris contrôle maritime, non? Net. La marine haïtienne, elle est à genoux. Ou besoin augmenter capacité d'intervention la marine, ou besoin gain la police qui a des drones sophistiqués qui cap mettre balles dans les gueux, tout. C'est pas balles qui fait capture d'image, tout simplement. Ok? Ou besoin et des drones qui capable détecter espace côté négro. D'ailleurs, d'ailleurs, négro monte puissant, sur négro attaquer hélicoptère capacien, les pour montrer que négro passer sur la mer pour attaquer Mounakaye, négro tirer sur hélicoptère capacien, avait dit négro montrer que il est puissant à terre, il est puissant sur la mer, il est puissant et en l'air, Jean-Léon, ou même je dis, est-ce qu'on se met en bataille à terre, on bataille blindé, alors que blindé ou pas quand même, qui est côté pas rentrer. Dernièrement, police est mourant dans Solinoa. Et ces pieds sur la feuille, ils mettent pieds à terre et bien il a fait pénétration parce que pas blindé le côté blindé pas rentrer parce que nous déjà un pays qui mal construit, mal bâti et zone ça yo, zone bidonville ça yo et tellement que corridor caille sous caille tout escalier, les vinn rendre que policiers yo, les mettent pieds à terre bandi yo capable de contrôler pour capable contrôler policiers yo. Et nous est que dans stratégie bandi yo ça au fait, yo pas sorti dehors non, yo entre en dans caillou, y a crasé mi par mi pour capable rentrer en dans caillou. Okay, laisse ça, yo veut mettre police dans situation difficile, y a fait titre en dans yo, mettez point d'amis que donc je dis hein, et bien dit, nous pas spéculer, nous voulons être tant que par voie autorisée, par voie officielle, pour ta au moins dire que est-ce que blindé ça lui entre dans le cadre pour mission, hein? Est-ce qu'il entre dans le cadre pour bailler la police ou bien l'armée, est-ce que blindé ça c'est pour que Jean-Pierre Paul Cap dit, et ta pour ambassade américaine? Bon, là encore, c'est des questions à poser des yeux. Très bien, mais même pas que c'est à deux dossiers ça, il doit classer et garder problème de sécurité à notre niveau. Garder à notre niveau. Si c'est la communauté internationale qui est responsable, que les gens qui sont là, si vous n'avez pas de caractère, si vous n'avez pas de dimension, pour exiger la communauté internationale à venir ramasser pour pouvoir là et retirer le corps dans le pays.
Kounia dit que CARICOM prend position pour exiger ensemble esclaves, ensemble conseil qu'elle gagne dans le conseil présidentiel de transition, dans le gouvernement Kounia, pour gagner en tant qu'entrée. Bon, pour date, il a dit ça très longtemps, belle situation. Et ah, mon cher, il a raté ça longtemps. Hein. Mais pas exemple, il y a rien qui lui fait faire. N'est-ce pas plus se sentir confortable? Pas oublier, dans le contexte que nous disons, son équipe corrompue, qui pratiquement là, qu'elle était dans le conseil présidentiel de transition, qu'elle était dans le gouvernement. Trois conseillers impliqués dans le scandale corruption, dans le volet, braquage, ok, extorsion. Premier ministre Dr. Garikon était un mandat d'arrêt d'elle, mandat d'amener qui était lancé contre lui, pour détournement bien public dans le CNE. Ouais, ouvert ça, Dr. Garikon y fait. Bah, ici, on est sans mettre le droit. Il fait tentative pour le craser. Bah, chaque dégogon dossier, et que blanc a bralé pour yo. N'est-ce pas catholique? N'est-ce pas droit? Ou pas qu'à continuer à compter sur monsieur Sayo? Monsieur Dame Sayo, disons, dans ça que vous présentez là, c'est danger absolu pour la sûreté de l'État. Même yo constitué même ça. Et ça qui paraît bizarre, même yo même, y a dénoncé plein d'assassinats qui ont fait à l'encontre de. Vous comprenez? Parce que le ministre Kul te dit que il y a des ministres et des premiers ministres qui pratiquent sous menace d'assassinat. Ça cause là un pile de gens cassé. Parce que Leslie Voltaire trouvé en Colombie. Un pile de gens est-ce qu'il a négocié pour libérer les Colombiens pour faire recrutement l'autre Colombien pour venir faire exécution en plan pour l'aide de pays. Tout est suspect. Parce que nous connaissons. En pile là, chaque coup politique en bas, mais parce qu'il y a parlé d'élections qui pourraient organiser. Il y a tout avec que c'est eux-mêmes qui a levé pour loi, malgré une représentation ça qui est là, il n'est pas légitime, il n'est pas légal, il n'est pas populaire. Malgré ça, on continue à faire l'argent, n'importe qui, j'en ai pas, il y bon, moi, c'est que les invités viennent en vrai, mais absolument dit que je dis, hein, et ça vient là, bam, dis-nous clairement, quelle que soit le CARICOM, quelle que soit le OEA, quelle que soit le Nations Unies, les États-Unis, Canada, la France, et la communauté occidentale, m'a toujours dit, et m'a pas si m'en dit, Haïtien, c'est nous-mêmes qui pour conscients, c'est nous-mêmes qui pour d'accord que c'est nous pour retirer Haïti dans sa lié là. Parce que nous avons des années après 220 l'année, et si je dis, dans la même situation, ça, et après, t'es un blanc, ou blanc, qui pour retirer Haïti dans sa lié là, ça montre que, et nous ne pouvons jamais sortir dans sa lié là. Et pas oublier, dans le plan communauté occidentale, dans le plan communauté internationale, il n'y a pas gagné pour que Haïti change. Il n'y a pas gagné pour Haïti vienne meilleur. Parce que sinon, et si Haïti change, Haïti vienne bon, je dis à Haïti, a vienne trop focus haïtien, a cassé tête, retourner la caillou. Donc je dis, il n'y a pas besoin Haïti bon. Et c'est Haïti pour comprendre et jouer que international a joué contre nous. Et pour nous comprendre que c'est nous pour conscients, qui vous d'accord, qui pour admettre que pour nous uniforce nous, pour nous comprendre. Mais tiens, nous, laissez-moi dire nous que, et conseil présidentiel transition, ça, lui déjà prend toute disposition pour révoquer gouvernement Garikoni. T'as bien samedi, hein? Et pas révoquer Garikoni seulement, non? Eh bien, conseil présidentiel transition, qui a pété ça, avec trois conseils qu'on connaît nous cité dans le scandale corruption, BNC 100 millions de gouttes, qui c'est Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Ventilaire, Smith Augustin, nèg je qui t'a pris toute disposition, parce que nous connaissons 9 conseillers, gè 7 qui ont droit de vote et gè 2 observateurs. Même conseil qui n'a pas droit de vote, yo, qui c'est Regina Abraham, mettez avec Frinel Joseph, ils ont tous tombé d'accord pour que yo signe une résolution, pour yo signe un document, pour yo révoquer Garikoni. Et révoquer Garikoni, c'est révoquer gouvernement, c'est craser gouvernement. Ça veut dire là que toute disposition qu'a prend là. Et n'est que clair, si que Garikoni pas accepté pour yo passer main dans gouvernement et pour yo révoquer ministre que n'est que besoin révoquer yo, eh bien c'est tout gouvernement que qu'a pété à révoquer à pour éjeter. Je dis en question à poser, qui est-ce qui bail droit? Ben, bien que c'est vrai c'est qu'a pété nommé Garikoni, OK? Mais Kapeta ge doit pour être capable de révoquer Garikoni tout, selon analyse. Mais quand ça pour comprendre je dis, hein, et si n'a chita sous base résultat, t'es bien, puisque Kapeta a dit qu'il n'est pas satisfait de travail avec le gouvernement. Vous d'accord même? Mais Kounia, est-ce que c'est seulement le gouvernement qui n'a pas de résultat?
Est-ce que ni gouvernement ni KP est capable de résultat parce que c'est deux têtes exécutives là qui oui. Haïti, ou pas qu'à critiquer gouvernement et alors que ou laisser aller bah conseil là. Haïti ni conseil là ni gouvernement, ils tous les deux échoué dans le moment parce que pas bah, gayoun que nous est capable de résultat là. Mais kounya, moun kap observer, moun kap suivre, yo plus ouais que KP est un. Et pas que son pays l'a réglé, mais c'est que son poste ministériel. Moun kap gade et moun kap observe tout. Yo e gare koni, et pas cause pays vin réglé, mais c'est cause bagage médiatique, montre si, montre ça, montre la fesse le bord. Alors que réalité yon, et problème n'a toujours été en entier. Et c'est là, et ça fait, gade moun ki dit que ni kapete, ni koni, mais yo tout l'aide pas réglé en sérieux, mette avec la police li même qui a fait démagogie, et la mère fait démagogie et mission fait démagogie. Donc je dis, peuple haïtien comprend que pas gagné aucun nan moun ki la yo, ken les autorités qui travaillent dans l'intérêt, peuple haïtien désivene ça. Blessitation, c'est tête qui québécois. Ou te voit tête la petit 8, mais c'est les québécois. Si tête la pague bon gens et support, ou bien si tête la pague bon gens assise, et bien quoi pas en équilibre. Je dis, si pays a mal marché, si la police pas fonctionner, si l'armée pas fonctionner, si ensemble ministère pas fonctionner, on nous dit c'est tête là qui pas bon. Qui est-ce qui tête là? Je dis à le premier ministre Dr. Garigoni, le conseiller présidentiel, tous ces des missionnaires que yo yé. Pour nous les Haïtiens, il y a mal agi. Pour la communauté internationale, c'est perfect, c'est parfait, ça y a fait là les personnes. Parce que c'est un vaste plan, un vaste complot qui a divers plans là-dedans. Il y a avancé là-dedans, marche par marche, étape par étape, tant que Jean Blanc a dit step by step. Aïe, Blanc parle, Blanc dit pas pressé dessus. On a fait step by step, nous pas pressé. Et chaque tête est fait, non, je nous compète, nous estimons qu'il n'est pas bon. Blanc dit good job. Je dis un massacre a fait, nous avons perdu la vie, bandit a annoncé, massacre a fait. Ok? La police pas prend dispositif, CSPN pas décidé. Mais pour Blanc, c'est good job. Parce que la vente plus d'âmes, la vente plus munitions et la vente plus territoire. La vente plus temps pour faire plus l'argent avec le pays d'Haïti. C'est ça qu'a fait là. Nous devons comprendre. Nous grottons, nous traversons la rue pour contre nous, nous mangeons pour contre nous, nous boire pour contre nous. Descends 20 l'année, indépendant, il n'y pas un jouet. Nous devons comprendre ça, je veux dire. Blaise Peterson, tout ça qu'a fait là, n'est que théâtre. Conseiller présidentiel, yo connaît, yo pas pi bien placé parce que ça. Puis yo retire Garigoni dans tête gouvernement. Mais yo plutôt abjurer l'opinion publique. Retire Garigoni, Blaise Peterson, selon accord 3 avril, c'est tout nèg yo pralé. C'est vrai, c'est nèg yo qui te vote Garigoni. Mais pas oublier Garigoni, c'est grand patron de Garigoni. C'est un organisme régional qui mettait conseil présidentiel transition. Dans tout ça, moi-même, ou comme ça fait mal, c'est parce que moi, pas ouais, intérêt, pays d'Haïti là-dedans. Mm-hmm. Ok? Sinon, le crime, ce que nous avons fait là, 9 conseils présidentiels, ensemble, ministre qui l'a eu. C'est eux-mêmes qui t'a victime dans le massacre. Yo. C'est eux-mêmes petit qui t'a à l'école. M'a dit, je m'en fous, pas de problème qui t'a passé. Mais je veux dire, c'est peuple haïtien qui a victime. Nous ne pas quitter bagarre la brader comme ça. La police rive cabaret, Blaise Peterson. Non, moins que 24 heures. Yo font une vidéo pour montrer que yo récupéré commissariat cabaret. Quelques heures plus tard, IVD, unité village de Dieu, en uniforme et Blaise Peterson. Ouais, next up dans IVD, next up recevoir formation académique oui. Exact. Comme next yo, pour tes amis next yo, c'est pas n'importe qui me dit ça pas non. Exact. Positionnement nèg yo Blaise, même nèg qui avec massacre crasé mirage commissariat. Où est son nèg? Son professionnel, oui, mais question d'âme, oui. Mm-hmm. Position, mais tes âmes, non, niveau que la pleuve, mato qui n'en mène là. Et c'est à comparer vidéo, quand on te voit, agent soit tu as crasé mi. N'a grecier. Tu as fait pénétration dans grecier. Exact. Ou après, n'a pas même posture. Ça veut dire, moi, je très douté. C'est pas même formateur qui a fait formation pour imiter des élites qui dans la police. Est-ce que c'est pas même lui-même qui a fait formation pour gagner dans le pays? Ne pas oublier Dimitri Rato, non? Dimitri Era, son moins que rien. Oui, Dimitri Era qui a fait formation pour eux. Est-ce que même les gens dans l'ambassade américaine, l'ambassade du Canada, l'ambassade de la France, qui a fait formation
pour police nationale là, surtout unité d'élite, est-ce que pas faire formation pour gagner dans pays? Ça qui a passé à Blaise, il est très douteux et très maléfique. Faut que nous prenions position. Est-ce que n'ego gè couille pour faire ça? M'a dit non, n'ego pas gè chromosome, n'ego pas gè couille, yo pas ka faire. Et ensemble questionnement qui n'a fait là yo, pas gè youn dans conseil présidentiel yo ka faire. Pas gè youn dans ministère ka faire. Parce que n'ego attaché avec job. Je dis en pile dans n'ego sensible. Chaque n'ego là essayer les blancs pa yo. Pour essayer si yo ka assurer yo pour ka kembe place yo. Chaque n'ego appeler blancs pa yo parce que chaque n'ego mon groupe blanc dans deux. Ou pas dire n'ego sensible pour voyage. Ça qui passe dans pays, c'est sensibilité pour visa, sensibilité pour résidence. Parce que en pile là, n'est-ce pas, qui ministre, qui président, c'est résident des États-Unis d'Amérique. Exact. Il y a quel intérêt dans le pays, non? Il y a continué à gommer. Quand vous entendez, comme ce sont des esclaves. OK? Esclaves à talent, esclaves avancés, mettre la dit la fond paraître. CARICOM, essayez de demander pour vous mettre de l'eau dans le divin. Parce que c'est avec CARICOM qui vous êtes servi pour vous mettre au côté. Oui, là. Est-ce qu'il y a attendu la raison? Et c'est ma première fois que CARICOM parle de ça. Ou elle n'est pas ouais, il pas attendu, il continue à pas avancer, il continue à faire bêtises, il continue à faire tête pendant que tout monde pas à l'école. Je dis pas poser tête question. Si monde Solino, si monde Akaye, si monde Delma 24, si monde Ponsondé. Est-ce que tout monde ça va à l'école? Lester, meilleur était annoncé d'après le massacre dans commune Lester. Je dis c'est grâce avec vigilance population qui va monsieur pas faire massacre hier dans commune Lester. Et qui en pile cause qui a parlé sur les oies, contacter magistrat l'Estéa, nous pouvons joindre information dans elle. Mais qui information, selon ça, nous, plusieurs médias publiés, t'as divers pour nous qui victimes dans le ministère. Qui ça cause? Les actions bandits ont prédit, ils ont annoncé et puis ils ont fait facile qu'on s'appelle la situation. Nous t'avons posé peut-être nos questions. Nous t'avons dit peut-être nos bagailles. Qui ça qui la cause? Est-ce qu'elle pas gonflé caché d'elle? Je dis en blessé personne. Après conférence, COP 16, que Leslie Voltaire, t'as participé. Il fait quoi qu'elle te gagne, il y a une rencontre qui est importante tout le temps. Toute fois qu'elle est sortie, il y a tout le temps dit qu'il y a une rencontre importante. Rencontre importante qui s'est opposée. Exactement, résultat. Qui s'est opposée. Négocier charabia, il a parlé toute journée, si vous avez fait rencontre ici, il a fait propagande. Il y a des gens qui ont écrit pour eux sur toute plateforme réseaux sociaux. Les gens ont été rencontrés avec Antonio Guterres. Qui ça Antonio Guterres a porté? Parce que Antonio Guterres, pour qu'on te blabla, il te dit que ce n'est pas normal, il y a besoin de 600 millions de dollars pour question de mission, pour question de pays, les guerres, les bails, les paris, les paris, les bails. Qui ça a fait? Le Steve Voltaire a foutu des nades pour passer mon tête quand il demande des personnes pour transformer mission multinationale en une mission métier de la paix. Ça n'est pas mon ambassadeur toujours. Divers monde, la situation qui gagne connaissance dans relation internationale. Divers diplomates dit ça impossible parce que l'Assemblée a été décidé sur question ça déjà. Non, mais ce qu'on moi. Et n'est-ce pour le carré, pour mon carré qui a parlé, pour le carré qui a défendu le fait temps passé, et bien, on a arrangé, on a renouvelé, on a fait même des mandats. Pendant la République dominicaine, même, il continue à frapper. Président dominicain, Luis Abinadel. Dit pas d'intention, pas autorisation pour reprendre vol entre République d'Haïti et République dominicaine. Mm-hmm. C'est ça, chef gouvernement dominicain dit, chef l'État a dit. Parce que tout le temps, ça qui passe dans le pays d'Haïti, il n'y a pas amélioré, il n'y a pas pour l'espace, frère. Pour bailler avion vinatéri, selon lui, ça qui a pollué l'espace. Non, c'est même qui se passe là, selon les Nations Unies, qui a radoté, vous avez dit ce monde, parce que OIM, c'est un organisme non gouvernemental. Américain ou bien international qui dit c'est plus passé 21,710 moun qui couille quitter caillou nan pile moun sa yo par un besoin que bien pile pour pas gagner de nouveaux bandits là de Blaise parce que yo pral nan abri yo yo pral nan kan yo yo pas venir assistance ça c'est bagarre très difficile pour Blaise personne. Désir, moi c'est que nous pral venir avec des réactions surtout avec ton connaissance Maniga qui c'est chef cabinet PM Gary Kouni. Et monsieur, c'est comme quoi monsieur t'a expliqué et côté vrai problème qui existait entre Capeta avec Gaïkouni dans sortie. OK. Et monsieur montrer tout comment que PM n'a quand même était peut-être minimisé et ça gueule là comme situation. Nous va venir avec ça comme déclaration. Et sans pas oublier Coupier Espérance les mêmes défenseurs des droits humains qui parlait concernant trois et conseillers présidents que n'a aussi dans scandale corruption. Et je dis en juge à Félix Mébéjamin
invité et déjà ancien président conseil d'administration BNC à Raoul Pascal Pierre lui il invité tout et Gérald Gilles mais ouais et avocat Emmanuel Vertilé mais Gabi Guerrier li mette en quoi pour que client là Emmanuel Vertilaire pour pas aller répondre question juge Benjamin Félix-Mé. Il clairement dit avec juge Benjamin Félix-Mé, li pa gen compétence pour ça. D'ailleurs, c'est à recours de justice qui t'a dwe attendre et conseiller ça yo parce que yo gagné ça relé attribution président. Là je dis hein, bagarre très compliqué. Est-ce que le Gérald Gilles pral aller ou pas? Nous pas connait. Est-ce que les juges a invité Emmanuel Vertilé? Est-ce qu'il va aller? Gérald Gilles obligé aller, yo obligé aller Blaise parce que c'était eux-mêmes qui t'ai décidé à faire enquêter ILCC attendez yo. ILCC et produit un rapport, lui mandé mettre action publique en mouvement. C'est nèg yo t'ai commencé processus ça. Ça quelqu'un dit nèg yo pas sérieux. Depuis nèg yo t'ai été descendre dans ILCC pour t'aller faire enquêter attendez yo, yo t'ai dû démissionner parce que yo montré gen pas de faiblesse parce que yo connaît c'est votre coup de justice qui t'a dû attendez yo qui siégeait entre le parlement. C'est le parlement, chambre basse et chambre haute qui constitue votre cour de justice. Nèg yo t'ai oublié ça. Nèg yo peut-être tu aller non pièce que nèg yo préparé yo pour y aller devant la justice tendez Blaise Peterson. Ne m'ai pas oublié que nèg yo a fait ça dans l'esprit de corps désir. Nèg yo a fait esprit de corps, l'aime dit esprit de corps ça me dit pas là, c'est que nèg yo a fait un gens là pour que et si le GHG l'aller, l'autre nèg yo doit aller. Et si le GHG pas aller, l'autre de nèg yo pas droit aller. Bah là c'est éclair désir. On comprend non? Si deux nèg yo, si le Gérald Gilles aller, l'autre deux conseillers doivent aller. Et si le Gérald Gilles pas aller, eh bien l'autre conseiller va doit aller. Alors conseiller qui implique oui, à bien dire. Donc c'est ça bagala est là. Mais kounyan, l'entendez un lecteur koué Liné Balthazar, dirigeant PHTK et monsieur dit le fait que kounyan est dossier dans la justice et la justice invite nèg yo, mais tous les trois conseillers c'est des inculpés, c'est des accusés. Donc, je dis, hein, le fait que c'est des accusés, c'est des inculpés, ils n'ont pas digne pour être capable d'un conseil présidentiel de transition. Hein. Et je dis, hein, mais c'est même conseil ça, yo, qui je dis a déjà signé, en a dit résolution pour révoquer Ariel et Gary Koni. Kounia, en nous regarder, est-ce que Kounia a en dit révoquer Gary Koni? C'est vrai, tout le monde est d'accord que Gary Koni, jusqu'à présent, là, ouais, et pas comme si, et ça le dit, yo, pour qu'on ait fait vraiment. Mais est-ce que c'est pas à recommencer encore? Et parce que révoquer Gary Koni, c'est pral et on dit consulter ensemble de acteurs politiques pour jeune qui est-ce qui va venir premier ministre et Kounia chouchoua premier ministre nan, et travail Kounia pour qui est-ce qui va venir ministre dans ministère tout ça pral mandé ensemble de temps dans intervalle 2 3 4 5 mois Kounia nego même yo pense n'importe 2 3 4 5 ans gen devant yo il a fait temps passé Kounia le 7 février 2026 arrivé Kounia yo dit bon ou connaît yo t'ai changé gouvernement et ça t'ai prend petit temps puis yo t'ai fait ci puis te fait ça ou on dit nèg yo a joué sous ensemble de crise qui gen là nèg a provoqué crise là que yo t'ai déjà créé comme parti politique comme des secteurs de société hein dans armée jeune garçon dans pays hein OK n'a créé ça là comme situation qu'il y a yo veut que pour à la fois et créer et bénéficier de lui encore pendant ces temps mon yo a mouri mon a couru par-ci par-là en babal bandi en babal assassin qui donc je dis hein essayer comprendre essayer garder ça là comme réalité des jeunes mais j'aime dire à désir et soit pas ajouté on met ajouté parce que me cal venir avec les Nesmi Maniga qui c'est chef cabinet PM Ariel et Gary Koni qui a parlé concernant de ce qui est pour avec et ça t'a mené bataille qui est là comme boumain entre Gary Koni et puis m'a capété yo la situation les ou la façon ou bien nèg yo a arrangé quand même pour joindre entre yo ou bien la population haïtienne prend responsabilité pour le destituer tout nèg ça. Je veux que tout le monde comprenne. Nous sommes obligés de jouer une entente entre eux qui permet que vous fassiez mascarade, que vous fassiez les transitions, que vous respectiez pour le bail résultat sans doute que tout le monde souhaitait ou bien le peuple haïtien arrangé le destitué. Je ne sais pas si comprendre est-ce que c'est haïtien qui arrive dans le niveau, dans la dimension côté lâche comme ça. Il y a un groupe qui a arrangé, il est rentré dans un vaste complot où il a assassiné petit non, où il a décapitalisé et puis il a brûlé dans le gardien. Yo kembe nan yo nan role yo continue à prendre décision pour nous nous pas tête moyen je dis hein si mon moi que wap investir là-dedans wap gomme pour venir quelque chose dans la société eh bien pita la ou gal d'accord que le dit c'est Emmanuel Vertilaire qui modèle li
c'est Smith Augustin qui modèle. C'est lui Gérard Gilles qui modèle. Dans qui ça? Dans volet. Je dis, hein, quel était Barbecue, quel était Iso, quel était Lamor Sanjou, quel était Diaf Kana, quel était Luxon Elan, quel était Meyer dans Kokouat Sara Salatibonit. Eh bien, next à eux, tant que tout tab dit, yo pas plus gros volet. Volet, c'est nek qui a cravate, qui dans l'état. Geti volet, que nous devons détruire. Gen gros volet, que nous pas devons détruire. M'attend des Arabes qui al wana met Blaise Peterson dans espace côté ou te arrêté citoyen que les bois calé qui a travaillé dans zone dans les zones franches pour ça que ou arrêté Arab parti avec bot dans ses sénateur Yuri La Tortue. Si y a prélé Yuri La Tortue sénateur, eh bien et barbecue qui ça barbecue lui-même parce que c'est nèg qui arrangé qui gâté tout pays a dans distribuer ça et je dis nèg a tenté réparer. Conclusion, rapport groupe expert Nations Unies, li metton diary dans la ria, malgré le passé, moi barbecue réagit sur lui. Barbecue dit 90%. Ça a dit dans rapport enquête là, c'est menti. Parce que et rapport enquête ça, yo indexé Guy Philippe là-dedans. Pour dire c'est Guy Philippe qui d'ailleurs vivent ensemble, yo questionné agent Bessap qui côté jeune zam. Mais après on a dit si nèg sérieux qui côté Guy Philippe dans moment Genève en famille allié. Mm-hmm. Qui côté Guy Philippe te dans moment vivant ensemble, est-ce que Guy Philippe t'est sorti dans prison? Qui rapport qui peut-être quelqu'un bien et barbecue dit lui-même l'a fait bataille pas Guy Philippe a fait bataille pas. Est-ce que nous comprenons? Je dis à nous compter que nèg a essayé entremêler les bagailles pour bouiller toute puisse qui cap permettre que nous avancer pour chercher résolution avec problème là. Et nous groupe qui a gardé qui va le mettre grain dans mondal pour la réclamer droit pour la faire défenser. Net ça pas plus mauvais passer nous. Yo pas plus mauvais passer nous, nous même qui c'est peuple. C'est pas tout ouais utiliser la police comme milice. Je dis en cap courir pour deux trois petits bandits à ça pas qui pas même des formations académiques, mais pour c'est nous-mêmes. Nous te mettre 10 000, 30 000, 40 000 dans l'arrière, n'a manifester pacifiquement nous pas gain un homme nous qui représente danger, il y a tout mon gaz lacrymogène, il y a ban nous bâton, il y a tiré balle derrière nous. Même parce que nous besoin prendre responsabilité pour nous rendre que pays a pour ça qui avant. Parce que vagabond ça qui dans pouvoir là. C'est pion l'Occident qui est, c'est jouet l'Occident qui a joué. Tout le temps que plus moun mouri, les plus bon pour l'Occident a préjoui de la situation. En nouvelle avec Anis Maniga, Jean Dian, chef cabinet PM Gary Kounin, monsieur qui parle sous conflit qui gagne entre KPT et puis PM. Non, il a répondu à une question qu'on fait dans Magic 9, émission panel magique. En dedans de monsieur, moi, désir faire entrer sorti des parties que monsieur dit qui mérite intervention, non, analyse, compréhension, non, n'a fait des événements. Bonjour Maniga, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, ma salue tout panel là, ma salue tout auditrice, auditeur et internaute qui a écouté tout partout à travers le monde. Merci, on a regardé plusieurs points, notamment la situation actuellement là. Et nous prenons regarder tout le fonctionnement du gouvernement et relation avec CPT, madame CPT, hein, et CPT lui-même, l'inongé doit être 17 longueurs sous la situation est là. Pour le CPT, c'est comme quand le gouvernement n'imprime pas. C'est nous-mêmes qui baillons, c'est le gouvernement qui baillons responsable de la situation. Nous parlons ça ensemble avec vous. Mais, moi, Mando, qui est le gouvernement dans le moment où on a parlé là? Bon, d'abord, merci pour l'opportunité que vous baillez justement le gouvernement. Et puis, moi-même, comme directeur cabinet Premier ministre, Dr. Gary Kounin, pour nous capables de faire le point sous conjoncture là, parce que ça fait partie de responsabilité, rendre compte. Ça dit désir. Même c'est directeur cabinet. Il y a chef cabinet. Oh, et d'accord, mon autre, c'est PHT qui a dirigé. Et même c'est chef cabinet, mais c'est oui. Bon. Ça fait passer de responsabilité et transparence. Et c'est normal, pour de temps en temps, le gouvernement vient expliquer qui côté il y a une feuille de route du gouvernement. Son gouvernement qui montait dans mon âge. Et le professeur Nis Maniga, qui est directeur cabinet, j'en ai capable de dire, et chef cabinet PM Gary Kounin, et qui est lui-même, qui joint une bénédiction et KPT à lui-même, ok? Et nous allons regarder ça avec PM Gary Kounin. Pardon, chef cabinet, lui, qui est Nis Maniga, je vais dire, mais moi, on est. Ça a toujours arrivé tantôt parce qu'on connaît. On est venu avec Nis Maniga. Qui montait dans mon âge? 2024, la période de 4 mois, son gouvernement qui a 14 ministres là-dedans, son gouvernement que le premier ministre avec CPTA, non souci de ne pas perdre du temps
t'es monté pratiquement dans moins que une semaine. Et c'est comme ça qu'au ministre, j'ai décidé pour ne pas perdre du temps. Parce que la situation, c'est une crise nouillée. Parce que vraie crise là, selon le premier ministre, c'est attaquer le dossier sécuritaire, résoudre le problème sécuritaire. Vraie crise là, c'est résoudre la crise humanitaire là. Question de gouvernance là, sont questions qu'il a en support, mais ce n'est pas lui le problème là. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas perdre du temps. Il a accepté que le secteur, nos esprits de collaboration, sur 14 ministres qu'il a nous dit, tu vas 10 ministres. Et c'est à cause ça qui est inspiré du texte à 3 avril là, qui fait le gouvernement gagner 4 mois de la fonctionner. Et nos esprits de collaboration, tout, pour nous capables de dire, gouvernement, avec CPTA, mettait en place 2 budgets. Un budget rectificatif, qui était pratiquement fait très bon, c'était 3 mois pour l'exercice fiscal l'a fini, et 2 mois juillet, gouvernement, c'était en bas chaque ministre en feuille de route. Mais août, un budget rectificatif était disponible, il faut un conseil des ministres. Même là, malheureusement, ministre, c'est 1 mois où t'es en gagné pour exécuter feuille de route ça, fiscalement parlant, donc nous allons parler de mois septembre. Et puis, rapidement, premier ministre, mission avec CPTA, ils mettaient d'accord sous budget exercice 2024-2025 là, qui t'a gagné la donne expression que feuille de route a gagné, instruction que le premier ministre te baille pour que priorité, c'est sécurité, budget de l'armée va augmenter de plus de 400%, budget ministère justice, budget sécurité va augmenter globalement tout de plus de 33%, et puis le secteur humanitaire qui a pris crise sociale, yo, pour augmenter tout, en particulier, l'on va regarder, si j'ai ministère et ministère d'éducation, ils sont gros morceaux, l'autre ministère qui a charrié question qui est pour avec crise là, agriculture, on a parlé de ni ça qui est pour avec travaux publics, ni ça qui est pour avec en valeur absolue par rapport à côté, par rapport à ça, on a exécuté dans 23-24 là, on va l'augmenter en 24-25. Donc, ça parle d'une très important pour nous considérer ça. Naturellement, et ça c'est progrès. En plus, il faut regarder ça qui est difficile, mais il faut regarder ça qui fait. En ça qui fait, yo, 2 budgets votés, 2 budgets en exécution, même si il faut nous dire tout, ministre, c'est 2 graines de mois seulement au gain depuis, avec exécuté financièrement, fiscalement, au mois pour le budget rectificatif là, et au mois pour ce début d'exercice. C'est là le gouvernement, il y a fait de route très clair sur 5 chantiers de transition qui sont là encore là. C'est sécurité, 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 qui c'est le premier bagage. Et la priorité gouvernement, d'ailleurs, ouais, que le premier ministre a avancé plusieurs fois, c'est commencer avec le recrutement de jeunes femmes, jeunes garçons dans la police, dans l'armée. Le recrutement pour non seulement qui peut commencer à passer de l'exercice ça, de 10 000 jeunes tout, dans le secteur qui est puis porteur de l'autre partie résilience pays, qui c'est éducation, qui c'est santé, ainsi de suite. Et puis c'est mettre en place pour le programme social là, à travers le ministère des Affaires sociales, qui a eu un gros projet subvention, qui est là dans comme secteur qui bénéficie de l'égrement, qui a eu un ministère de l'Éducation nationale, de la voie publique, avec environnement, qui a eu un dossier qui est pour avec assainissement. C'est là, nous, aujourd'hui, et tout effort gouvernement, c'est sous sécurité que lié, en particulier. Ok. Nous donnons où, ou clairement souligner que ces 14 ministres qui en poste, et ce 14 ministres, 10 sortis dans le conseil présidentiel là. Mais je vais parler à là, M. Maniga, mon papa, c'est chef cabinet premier ministre. Je vais parler à là, comprendre d'un tout, gouvernement, fait tout ça, le dégayer humainement pour le défaire, l'y faire. Mais, constat, c'est que, bah, elle a bloqué quelque part. Qui compte le bloquer là? Qui fait qu'une beaucoup carré résultat, yo? 4 mois après, gouvernement. Bon oui, qui est là qu'on est à côté problème là parce que si Jean c'est pas attendez bien désir. Elle dit secteur dans 14 ministères là, gain tout secteur connecté gain monde dans KPT, tout voyer ministre. Que là faut comprendre si gain échec de gouvernement, c'est échec secteur, c'est échec KPT en tout. Et là pour moi, je comprends ça. Elle dit échec gouvernement, c'est échec KPT, c'est échec secteur que tu voyer monde parce que c'est parce que 10 ministres qui dans gouvernement 14 ministres gouvernement économique non mais que 10 nan yo c'est de monde qui sont dans des secteurs dans pays de parti politique et c'est de membres dans cap c'est de et parti structure secteur que tu voyer monde dans KPT, c'est eux même tout qui voyer ministre en dedans et gouvernement on va se bagarre désir. Oui, mais c'est échec tout le monde. Moi-même, ça ne pas comprendre. Je ne peux pas de après tout le monde pour égarer. Il y a dit que le gouvernement n'a pas de résultat. Ou bien, il n'a pas respecté ça. Mais est-ce que vous n'avez pas gagné responsabilité tout le monde? Exact.
Parce que pour te monter gouvernement, nous chaque nous te contenter de bailler au ministre. Ça gagne ministère agile, si ministère finance, ministère et ceci, ministère cela. Non, mais on va continuer à faire par eux. Nèg yo a préparé l'argent pour y a faire élection bonne maintenant et puis on dit un pour peuple je dis qu'il a passé moun nan bêtise pour faire temps passer mais c'est temps que nèg yo veut faire passer c'est jouer communauté internationale la cap toujours pas que même m'a garder peuple là danger il veut pourquoi est-ce que il y a d'accord qui te ça cap passer à la pour river dans dimanche côté au la belle la blaise on avance avec Nismaniga elle a bloqué quelque part qui côté le bloqué là qui fait qu'une beaucoup carré résultat yo 4 mois après gouvernement bon m'a rappelé. Et ça que le Premier ministre dit souvent, Dr. Gary Conille, il dit avant de venir, la crise là était totalement sous-évaluée, sous-estimée en grande partie par les acteurs haïtiens en place et par la communauté internationale. La crise a été tellement sous-estimée, sous-évaluée par la communauté internationale là, par les acteurs haïtiens, d'ailleurs, ouais, avec un pile pudeur, nous parler de force internationale qui nous vient d'elle. Nous avons préféré choisir nos missions, pour nous avons une mission d'appui à la police, l'armée pas fait partie là-dedans, parce que nous n'avons pas réalisé jusqu'à qui point effectivement, au fond de la crise là, que ce soit par non seulement force de frappe, force de feu, que nous avons dit, les troubles, nous avons parlé de bandits en particulier, mais non seulement par qui niveau ressources, qui niveau l'argent, qui a besoin pour supporter. Même mission la paix ça, même mission qui est venue pour supporter la police ça. Je tiens, avec le Premier ministre qui est allé dans plusieurs contrats internationaux, à Washington, à New York, au Kenya, rencontrant pile acteurs pour expliquer que crise ça, il était sous-estimé, crise ça, il était mal évalué. D'ailleurs, ouais, je tiens, avec qui empressement la communauté internationale là, a réalisé ça, qui fait que le peuple même aller commencer à faire plaidoyer pour une mission de maintien de la paix des Nations Unies. Bien sûr, qui part même ça n'était guère, qui évoluait, en façon pour nous capables de gagner l'autre type d'équipement, l'autre type de force qui accompagnait le ça. Nous ne pouvons pas uniquement parler de mission comme telle, avec des possibilités de ça, où l'État membre est capable de mettre plus de moyens, plus d'argent, et puis moyens tout. Moyens, nous avons dit, ça, mission, tout qui permet de plus vite. Donc ça, c'est pour partie qui fait que dans 4 mois, ça y est, sous-évaluation, sous-estimation de crise ça, avant pour le ministre de venir, que la PC rectifie à travers toute intervention la fait au niveau international, tout voyage la fait au niveau international, on a le plus vite. Mais ceci dit, 4 mois ça, pour la population, c'est 4 ans. Parce que si nous passons pile temps à souffrir, et seule sa population peut j'attendre aujourd'hui. Hein. C'est pas qu'il crise qui vient de CPT avec primature, parce que tant pile fois, c'est crise au passage, il y a dit le vrai. Crise dans cette crise ni humainement ni par humainement crise dans cette sécurité pour population pas c'est pas ça qui intéresse population population besoin je vous dis même cap agir en tant que porte-parole pour le ministre porte-parole gouvernement en ma qualité de chef de cabinet ça que je attendais c'est qui joue qui l'a trouvé au sud qui joue qui l'a trouvé au nord qui joue qui l'a monde a tourné la caille si on pas gagne réponse à toute votre parole ça pas intéressé on est d'accord avec vous. Comme citoyen, vous êtes demandé plus pour vous. Et vous comprenez que vous dites, je comprends que l'émission, ce n'est pas ça qui intéresse. Il y a plein de jours, il y a plein de l'heure pour vous tourner la caille. Mais, malheureusement, 4 mois, qui semble 4 ans, c'est 4 mois pour monter au gouvernement, même les affaires très rapidement, 4 mois pour faire budget, 4 mois pour bailler moyen, 4 mois pour commencer à changer stratégie hein, okay. Pour que les plus adaptés à la conjoncture. Situation pays a été sous-évaluée, sous-estimée, c'est ce que je dis là. Maintenant, nous faisons une nouvelle évaluation. Et je suppose que nous portons libre équipe de droit dans la communauté internationale là. Et puisque si nous comprenons bien, réponse à là, qui fait que le gouvernement pour qu'on imprimé et après 4 mois que nous avons dirigé, c'est parce que ça nous dépensait, c'est parce que ça nous joint en termes de problèmes de sécurité et problèmes économiques. Qu'on a nous fait évaluation, nous connaissons la réalité. Nous bah, qui est-ce nous bah, une nouvelle évaluation ça et qui promet ce qui fait là à gouvernement. Pour que vos réponses qui baillent à nouvelle évaluation, ça nous fait des réalités pays. Je dis deux bagages. Premier, ça va attendre évaluation pour l'agir. Premier, ça va attendre mission éventuellement s'il a changé, parce que le président Voltaire mentait ça formellement à la communauté internationale là, pour transformer ça en autre type de mission. Mais premier, ça va attendre. Et le bail, toute ministre d'instruction, ce n'est pas parce que nous pouvons joindre tout moyen, d'ailleurs, ou capable. Premier, ça fait déjà avant qu'il soit évaluation. C'est propre évaluation par nous qui fait que nous avons l'autre forme budget qui fait courir augmentation dans différents secteurs clés, justice, qui gagne la donne, sécurité publique, la police,
l'armée qui vient de gagner plus moyen, moyen humain, et ils ont fait là, qui commençait déjà. Nous pas tant, le recrutement commence déjà, il y a une disposition qui prend déjà pour que le ministère ça ait plus moyen financier dans mais naturellement il y a un autre problème qui était pour résoudre. Nous pas tant d'évaluation ça. Le gouvernement commence à agir dans ce sens. Maintenant, l'homme dit agir, population va dire pas ouais, en pile bagarre fait à terre. Jodien, c'est très clair, par exemple, cashback 3% on dining. Et on avait avancé avec toujours avec Anessi Maniga, puisque les mêmes lycées et chef cabinet PM Gary Conny, on a regardé ça avec lui, on a continué à regarder ça avec lui et on continue à regarder avec PM, avec chef cabinet PM. Non, et vraiment je dis à monsieur, bien content monsieur qu'on est tout et pas en question des batailles remaniement dans le gouvernement qui intéresse la population, ça qui intéresse là ces questions et résultat question insécurité. Ça que t'annonce pour entrer l'école là. En pile par an commencé, on est déjà, et nous capables d'interviewer le ministre de l'Éducation nationale là, la parle exactement qui quantité par an commencé, on ça déjà. Là, on a parlé avec le ministre des Affaires sociales là, la dit exactement combien d'activités qu'a fait concrètement sur le terrain. Naturellement, lors de situation de désastre humanitaire, ça qu'a fait là, la parle prend pile temps pour le visible. Parce que c'est pas parce que 10, 15, 20, 30, 40 par an recevoir, c'est pas parce que quelques communautés commencent à recevoir soutien, qu'on après visiblement ça, parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas retourner à la caillou. En réalité, il y a un pile camp de déplacer qui toujours été dans la même place, parce que la situation, ça y est, et c'est capable de dire que chaque jour, chaque fois qu'il y a un moyen en Conseil des ministres, le Premier ministre, Dr. Gary Conny, a dit que la situation est plus vite, plus bien, et c'est dans le mécanisme, 4 mois ça, que nous avons essayé de faire ça que vous avez fait. Sous cette situation sécuritaire, la police a fait face. Il a armé à une situation que c'est peut-être pour une fois faire face à avec lui. C'est 5 ou 6 fois en même temps qu'il a résisté pour aller pour bagarre la pas plus grave. Que ce soit situation propre au prince, que ce soit sac à privé dans la Tibonite, que ce soit sac à privé Grissier, sac à privé Quadabouquet, sac à privé dans la zone Solinois, c'est plusieurs fois en même temps que la police a résisté pour que situation Québec, en attendant qu'il y ait plus de moyens qui sont déployés, c'est l'année. Et en pile fois, moi-même, je suis capable de jouer. Moi, j'ai chance de rencontrer un pile héros, un pile héroïne. Chaque fois, je regarde dans quelles conditions les policiers ont mouru. Songez trois policiers UTAG qui malheureusement ont disparu, qui ont perdu vie. Pour une seule être en contact avec veuve, qui ont accouché l'autre jour. C'est des situations humaines que pendant que nous comprenons que nous manquons, ouais, ça nous est, ouais, un pile héros qui a boumé. Ce n'est pas facile, je pense à eux. Donc, c'est là que je dis, hein, et je pense que. Il y a plus, parler avec le ministre, après expliquer exactement côté où il est. 4 mois après, je suppose que nous parlons d'évaluation encore, et évaluation est supposée finie, et pour nous agir, et on se reconnaît que la population, on se dit que nous n'avons pas agi, mais la population pas elle, et c'est en réalité, la population attend toujours. Maintenant, des articulations qui gagnent entre gouvernement avec conseil présidentiel là, c'est l'une de la bonne ensemble avec vous là. Quand on a l'impression que chacun a fait par eux, sous bon par eux. Et dans le matin, le Premier ministre a rencontré l'état-major l'armée. Après ça, moi, c'est passé 24 heures après, c'est pété par rencontrer même l'armée. Ça, on a l'impression que c'est deux pouvoirs qui n'ont seul pays. Chacun a un agenda par eux, chacun a fait par eux. Pas de synergie entre deux pouvoirs. Ça. Est-ce que vous avez dit que ça a contribué tout à manque de résultats? Nous avons assisté là, bon côté pouvoir exécutif là. Comme pas du gouvernement en particulier? Je ne pas dramatiser la situation comme ça. Du tout. Si je dis que le gouvernement avec CPT n'a pas de fonds budget rectificatif, nous sommes d'accord avec vous. Si je dis que le gouvernement avec CPT n'a pas de fonds budget, que mettez-vous d'accord pour que toutes 14 ministres au gouvernement, 10 ministres qui sont dans le secteur, plus 4 ministres qui sont dans le périmètre direct, que pour nous, ça a été choisi de proposer. Pas choisi, non? De proposer. Nous avons dit oui, laissez-nous bloquer. Premier ministre avec CPT, ils ont fait 2 budgets dans 4 mois. Ils ont mis en place un conseil électoral provisoire, bien sûr qu'il manquait 2 membres qui méritaient avancer. Ils ont mis en place et comité pilotage pour la conférence nationale là, qui c'est seulement le gouvernement gagné là, c'était fait élection. Même temps, monsieur Maniga, au ministre pendant plusieurs fois, on connaît très bien, élaboration en budget, c'est pas ça qui a résoudre la crise. On capable toujours gagner budget, et toujours gagner budget. Et nous toujours ça qui passe. Attends-moi, c'est pas ça qui résout la crise là.
budget, c'est expression, on a besoin. Après ça, il y a plan d'action. C'est pas ça, me dit. Mais si tu as une impossibilité de collaboration, nous n'avons pas de budget. Nous n'avons pas de aujourd'hui en conseil des ministres, nous disons que pour faire ça, il y a un mandat de fait, il s'est fait élection au premier jet du conseil électoral là. Comité pilotage a mis en place. C'est mandat, ça nous gagne. Et là, on a avancé. Maintenant, on se dit que dans pile rumeur qui a circulé, dans pile parole qui a dit, sous impossibilité de collaboration, moi-même, je suis capable de dire pas aussi dramatique que ça qui a parlé. Et normalement, nos conseils exceptionnels, où il y a 9 conseillers, où il y a un gouvernement qui choisit, donc, je me rappelle, chiffre là, 10 ministres sur 14, c'est avec secteur, eh bien, c'est 4 mois, c'est 4 mois de mise en place, oui, oui. Donc, façon qu'on travaille. C'est comme ça, plus souhaite. C'est pas que nous avons dramatisé la situation, relation entre exécutif là avec le gouvernement, non, mais. Bah, y a des vengeurs, nous parler avec des proches premiers ministres, nous parler avec des membres CPTA qui expliquaient nous conflits qui gagnent entre deux groupes. C'est depuis juillet, oui, avec le voyage premier ministre dans Washington, où il y a un gros problème entre primature avec CPT. Et ça va accentuer avec 79e Assemblée générale des Nations Unies. Côté que pouvoir CPT a estimé que y a humilié, y a boycotté, et nous disons ça qui passé avec Leslie Voltaire et dans réunion qui t'a fait avec le président brésilien et premier ministre, y a empêché, y a interdit l'accès pour d'entrer dans rencontre malgré les pas invité et d'annoncer annoncé que peut-être qu'il va le couper. Depuis là ça, nous voyons que relation y a très tendue entre primature et CPT. Ça nous est pas salié, Monsieur Maniga. Bon, ça est pas menti. Ou va pas du bagage ici. Bon, même pas cette question correcte et bien explication, c'est depuis après 79e assemblée et les Nations Unies hein, et qui permettent que ça va passer là, je veux dire, qui fait des clics là, peut-être qu'il doit exister déjà. Mais c'est ça qui vient permettre que APCA les pété en banne tout le monde. Mais nous devons rappeler depuis là Gary Coney t'a le nom rencontre Washington, l'était retourné, il était ramené à l'autre pour te dire faut pas oublier. Mais qui fonctionne, mais qui responsabilité qu'elle gagne et comme chef du gouvernement. La situation était déjà annoncée. Et pour l'Assemblée générale des Nations Unies, hein, les films de cacophonie, pas de président, ministre, qui est-ce qui doit le représenter, on va faire la fin de la tinette. On va faire la fin de l'autre direction, on va faire l'autre emploi de la situation. Exactement. On nous est pas allié, M. Maniga. Je vais parler pour une question, ça, mais c'est dommage, José, hein, que le focus n'a pas été sur sécurité, hein, parce que je garantis que. Tout le temps, premier ministre avec gouvernement, c'est sous chantier ça, chantier sécurité, ça n'a rien pour nous faire. Pour conférence pilotage de la marché, pour élection faite, c'est ça qui intéresse la population. Si je ça, en même temps, on peut avancer sur vrai chantier, on peut évoquer là, lorsque même communauté internationale reconnaît ça, nous mettons de côté intérêt collectif là et nous prioriser intérêt personnel. On peut avancer lorsque entre deux pouvoirs, il y a une instabilité entre deux pouvoirs, professeur Maniga, on comprend ça très bien. Mais justement, ces questions ça que m'a répondu. Moi je trouve c'est dommage que ces questions ça que m'oblige à répondre matin, hein, mais en particulier parce que un, m'a dit bon côté dramatisé. Deux, tout ça qui est évident et on parle très clair. On se dit peut-être pas le tomber, donc ça veut dire remaniement en particulier. On croit que le Premier ministre va répondre clairement déjà. Et on nous fait deux points fondamentaux. Premier point qui est fondamental, là, on se rappelle déjà. On se dit que le gouvernement, s'il n'a fait bilan, 4 mois, ministre exécuté, 2 mois exercice financier. Sur 4 mois. Donc, l'autre premier aspect, ça, quel que soit cas de figure, on garde qui rapport et qui bilan capable de faire, je veux dire, dans la condition ça, pour dire qu'on ministre, l'hyperformant ou l'hyperperformant en 2 mois d'exercice, d'action d'exercice financier, sur les 2 mois. Ceci dit, c'est pas moi-même comme chef cabinet qui a pris une décision, ça. Décision ça appartenu chacun en ce qui les concerne à conseil des ministres, on va parler d'eux. En particulier, CPTR, conseil présidentiel, avec premier ministre, c'est une prérogative pour signer arrêté ou remplacer ministre. C'est pas moi-même qui a fait, qui a fait opinion pas sur ça. Mais sur les faits, les ministres ont exécuté 2 mois d'exercice et c'est périmètre action de ça. Personnellement, moi, pas recevoir notre premier ministre, aucun rapport qui évaluait de manière claire avec nombre pour évaluer, y compris à chaque mécanisme que
au CAG la prévoit, qui c'est eux-mêmes qui l'a, capable de superviser l'action exécutive et faire des recommandations. Et nous n'avons aucune documentation, rapport sous exécution, feuille de route au ministre. Et même dans le contexte, il y a un Parlement, côté Premier ministre, il y a une déclaration de politique générale, côté Parlement, après 6 mois, capable d'inviter au ministre Vintendel. S'il n'est pas satisfait, convoquer le ministre. S'il n'est pas satisfait, interpeller avec un motif d'interpellation qui est basé sur un texte, sous qui vient au ministre. En dehors de l'exécution feuille de route, nous ne pas parler de ça du tout. Nous, dans le contexte, matière politique. Et la matière politique, là, pour le ministre, ça a une semaine que lui écrit CPTA. Lui dit très clairement, ma pour prendre ça qui était dit dans le texte, là. Si d'aventure, je veux dire, CPTA font l'autre estimation, ils changent l'idée sur le fait que le ministère qui doublait, qui fusionnait, c'est pas ton bon idée. Disposé pour discuter de ça. Donc, on pense ça clair. Dans l'interprétation du gouvernement, ça clair dans l'interprétation du Premier ministre, pour manier son bagage normal, son bagage naturel pour capable de mettre un gouvernement à flot. C'est nos systèmes d'équilibre, c'est entropie, qui permet comme mécanisme pour permettre au gouvernement de faire toute négociation possible pour que nous avancions sur le chantier qui est plus important. Et pour nous, ça dit ça très clairement. Sauf que ce n'est pas ça, c'est pété à l'enlever, non, comme remaniement. C'est moi-même qui peux interpréter, je ne pas ni titre ni qualité, je pense que le ministre. Bonne information sur pas connaît. CPTA a besoin changer et ministère qui doublé par exemple après ministère intérieur qui est premier ministre en tête li, il besoin mettre un ministre pour contenir un ministère intérieur collectivité territoriale, planification qui est ministre économie là ni besoin mettre un ministre pour contenir dans planification et affaires étrangères qui a géré tout Mavé, il besoin changer et affaires étrangères et mettre un ministre dans Mavé. Il besoin tout mettre un ministre dans justice et sécurité publique. Il besoin mettre tout qui va doubler. Il besoin mettre tout, il besoin changer tout ministre à défense. Là. C'est ça, même CPTA et Dino. C'est pas simplement changer ministère qui doublé, mais c'est faire un remaniement sur au moins 7 ministères. Est-ce que pour le ministre d'accord avec projection de remaniement ça? Je pense que le Premier ministre a une réunion hebdomadaire qu'il a gagné avec CPO. Bon, finalement, soit dit là, m'a décrit très bien. Donc, sous 18 ministères là, donc ça veut dire que 18 ministres, c'est pas le Premier ministre qui a gagné une possibilité pour que les choisis. Un ministre, donc tous 18 ministres, c'est ça, m'attendre dit là, c'est pour le. Et la bataille là, et bataille ministère ça, eux qui bataille là, et la bataille là, désir. Bataille ministère ça, et l'allié, et bah c'est ça qui fait fondre des ministres Maniga dans l'intervention là, parce que là, et il faut nous comprendre bien, et ouais, Robinson et Jeffra, bien que nous comprenons Nis Maniga comme chef cabinet, KPC et fait jouer maintenant, c'est normal, mais l'imouté, monsieur, c'est pas en question de remaniement, mais KPT a clair, il dit, mais ça a besoin, mais ça va le faire. Qu'on y a avec ça au préfet ça au besoin hein, comment on comprend ça et va pour sa raison avec Claude Joseph a tiré pied l'élément des ministre défense lien pour pas participer dans aucune réunion avec KPT et puis qui est trois ça qui inculpé là dedans non parce que va oublier ministre défense ça c'est Claude c'est Edé Kibaili et que l'autre ministre Andy Justice et ministre même et Gary Kouni Bay l'autre dit intérieur c'est Gary Kouni qui à la fois premier ministre et ministre intérieur l'autre dit affaires étrangères bon par contre si c'est Gary Kouni mais par contre c'est Edé Beret Kibaili mais tout le monde voit que l'autre dit affaires étrangères il pas pour aider pas pour aider puis semblé avec Gary Kouni exactement l'autre dit planification bon là encore par contre c'est Gary Kouni Kibaili et c'est là mon regarder réalité mais que trois finance puis semblé avec Gary Kouni exact c'est dire que 3 à 4 ministères ça c'est purement Gary Kouni Kibaili et on dit justice affaires étrangères bon finance et à la fois planification et Gary Kouni qui ça c'est base et à la fois intérieur qui Gary Kouni tout ministre on me dit c'est 4 ministres c'est comme si ministre Gary Kouni mais qu'on y a et avec et défense qui gagne tout ça qui gagne là dans et bah Jean-Marc Antoine Bernier Jean le monsieur qui s'est aidé et ben si toutefois yo voyez monsieur aller et ben Claude Joseph qu'on y a là pas gagne dans mail. Ah, et c'est Claude qui va à la fois ministre, non? Et c'est Claude qui va à la fois directeur général ministère de défense. On comprend ça bien? Elle dit Claude à la fois ni ministre, non, ni directeur général ministère de défense. Non. Parce que moi, directeur ministère de défense, c'est mettre si Jean-René Sistanis, il s'est même aidé. Là, il faut comprendre le bagage. Elle dit, et comprendre là tout,
et Capeta qui lui même besoin ministère ça yo sur certain et yo gen ministère dans poche déjà qui pral imagine yo pral gen un pour ministère ici vivant à l'étranger yo pral gen un monde pour ministère des affaires étrangères yo pral gen un monde pour ministère économie yo pral gen un monde pour ministère et planification yo pral gen un monde pour ministère et défense yo pral gen un monde pour ministère justice yo pral gen un monde pour ministère intérieur qui donc Capeta lui même pral gen 8 ministères et monsieur Sidi yo était déjà ensemble secteur ça yo gagner 10 ministres dans le gouvernement. 18 ministres, c'est ça va prendre dim là, c'est pour aller totalement conseil présidentiel. On pas opiner sur ça, mais juste noter ça dire. Donc 18 ministres. C'est ça au dim tout. On pas opiner sur lui. Mais m'a fait exercice mathématique sur dim non parce que je dis 10 sous 14 déjà dans colonne CPA c'est que choisi proposer. En même temps on dit tout, toute direction générale 10 ministères ça yo c'est conseil présidentiel là qui propose yo donc premier ministre t'es favorable à l'idée ça favorable que 10 ministres sur 14 c'est conseil présidentiel là c'est quatre ça qui dans périmètre ça que t'es co choisi avec yo c'est pour yo plus l'autre ministère qui doublé yo mon constaté que je n'en sors dit non puisque bonne information 18 oui. Sous 18 c'est pas dans quand CPA moi je pense que jodi hein on va faire non des gars tout sens là on continue. Oui, mais si c'est ça, si c'est là nous arrivons, le Premier ministre a constaté ça, et c'est pour ça que nous commençons un dialogue avec différents secteurs, parce que le Premier ministre là, sous base d'un accord politique, et à ce moment-là, si 18 yo, que les secteurs d'accord pour 18 ministères à la colonne conseil présidentiel, le Premier ministre a tiré les conclusions, les mêmes libéraux viennent nous dire, nous, personnellement, ça le pensait de ça. Nous juste fait constat. Je dis, ça nous capable de dire, c'est que pour nous, ça, ils voulaient balo étiquette de transigence. 10 ou 14, pas qu'à intransigeance. Ils voulaient balo étiquette, la goumé, pour que l'Ikembe tout pouvoir. 10 directeurs généraux qui dans le ministère, ça, c'est secteur choisi, ça fait déjà. Ils voulaient balo étiquette de transigence parce que le ministère intérieur n'a pas marché. Qui j'en voulait le ministère intérieur marcher, puis bien, s'il pas qu'à lui-même, il y a possibilité de remplacer mairie côté mairie au paillet. Changer magistrat qui déjà quitté pays, hein, parce que tout ça, c'est co-signature à la fois conseil présidentiel là, avec premier ministre. En plus, on a dit gouvernement bloqué, même ministre, même magistrat, yo, pas de travail, il y a côté magistrat, pas de travail, il y a côté, même pas là. Mais premier ministre n'a pas qu'à changer au cartel sans signature CPA. Hein. Premier ministre, ça gagne au moins, t'as le fond, proposition de méthodologie sous qui j'en aurais pu changer. Mérite changer, renforcer ça que mérite changer, n'attendre que un suivi fait pour ça avec urgence. Même bagarre pour direction générale, pour une ça écrit deux ou trois courriers à conseiller, dit, en plus de toute direction générale qui déjà changé dans le ministère, on a le plus vite sous direction générale ministère autonome. Pour une ça même faire proposition, c'est tant d'attendre pour que nous changer rapidement direction générale, parce que lenteur qu'on a constaté dans l'administration, problème qu'on a dans plusieurs directions générales, nous, qui en grève, qui en difficulté, eh bien, c'est pas nous bloquer en particulier. Est-ce que ça, tu vas dire, là, professeur Maniga, et que manque d'efficacité qui gagne dans l'administration publique, là, c'est PTA qui empêche le gouvernement agir, j'en garde agir. Ça m'a dit clairement, manque d'efficacité et lourdeur là, et difficulté pour atterrir, gagner pour être tout, avec le fait que le ministre intérieur, pour qu'on capable faire modification dans la collectivité, parce que côté en premier ministre, à travers le ministre intérieur, côté population, c'est à travers les élus locaux ou bien autorités locales. Son commune pas un magistrat. Son commune pas un quantité de membres pour le gain. Son commune pas un magistrat qui est capable de signer sur commune. Il y en a battu avec l'autre, il va le signer. Ou mettre vos corps pour y'a pas un cas de caissel. Eh bien, c'est pour ça, ou qu'on peut paralyser dans le ministère intérieur, parce qu'on peut pas changer, on peut pas changer la collectivité. Il y a une proposition faite déjà. Oui, il me dit ça. Si il y a certaines directions générales, côté gain grève, côté gain difficulté, côté mouille à plein, côté pas un service, nous voulons moderniser, renforcer, et difficulté, lenteur pour que nous mettions en place direction générale, ça y est, justement, qu'on pourrait en partie. Ça m'a dit, hein, on va jeter blâme sur personne de l'autre monde. Vrai sujet qui intéresse la population, c'est sécurité, c'est bas résultat. Oui, pour le ministre, ça aller plus vite. Si le ministre intérieur a plus d'outils dans le même, qui c'est collectivité territoriale, si il y a une direction générale qui a déjà gagné l'autre leadership, nous avons le plus vite. Ça va retirer
Invitez ministre, il y a parlé de problèmes, difficultés par eux. Invitez ministre des Affaires sociales, la parlé sur chantier social là. Invitez ministre éducation là, tout ça qu'a fait non, rentrer l'école là, aller avec gouvernement ou avoir une autre impression de qui ça qu'a fait et peut-être qui difficulté réelle qu'on gagne. C'est pas sans le gouvernement fait. C'est pas des soucis là bas tête. On va aborder un autre point et nous regarder les relations avec la République dominicaine et me songer gagner résolution tu as pas le point pour que le gouvernement d'une seule voix comprise de position. Bon pose avant nous je vais dans chapitre ça. Bon pose une question et rhétorique. Est-ce que le premier ministre est en rébellion à CPTA? Hein, comment? Est-ce que le premier ministre est en rébellion à CPTA? Ça c'est une belle question. Bon, quitter Nice, me répondre parce que ça, bien que moi, Nice, m'gette en estime que ça répond sans cahier. Parce que c'est normal, mais. Bon, si mes divisions là, répondent très professionnel. Yeah, bon, oui, mais tout le monde cap garde cap sur après qu'on rébellion là, qu'on bataille là, qu'on prend. Et pas c'est nous, on bataille dans l'élection, pas gagner qui pis chef passé. Comment? Est-ce que le premier ministre est en rébellion à CPTA? Ça fait troisième fois que je dis ça. On ne peut pas dramatiser ce sujet ça parce que ce n'est pas le cas. Le ministre n'est pas interdit d'accès à la villa d'accueil où siège le conseil présidentiel de transition. Il fait réunion hebdomadaire chaque vendredi. Vendredi dernier, il était là. Une semaine, comme c'est congé, malgré congé, presque sept incroyables moyens, puis je ne suis pas attendu encore. Président Voltaire en mission à l'étranger, le tourné pour le ministre a rencontré, pas qu'à une rébellion, le que. Pour le ministre, pas bon, ma papa est un mot fort. Pas bon, le, un conseiller présidentiel. Ma même si c'est invité, non, convoqué pour le ministre, il n'est pas automatiquement présent. Pas dans la ville d'accueil, que c'est la CAIO, que c'est, et dans n'importe quel autre bureau, pour le ministre est toujours disponible. Et semaine ça, prend information, il rencontre trois cas conseillers présidentiels, que ce soit, non, mais si c'est pas dans la ville d'accueil, c'est côté où invité, participer. On regarde qu'on y a là pour un qui est pour avec la République dominicaine. C'était un point entre guillemets qui était bas pour. Et bien, il y a un café qu'on a été dit, eh bien, PM, t'es allé là, quand il y a le bluff festival, il y a pas recevoir, non? Oui, mais quoi, c'est un peu de désir. Alimentation qui est pratique. Ben, il y a un peu de l'année. T'as pu, de ce midi, vous avez dramatisé Bagala ou Bali sens, vous estimez qui a fait affaire. Mais qu'on y a, est-ce que moi-même, moi j'ai capacité pour me dire ça qui a dit la vérité, l'un qu'on est pour des comportements qui gagne là en même temps et CPA ou bien CPTA avec conseil présidentiel transition pas gagne rien qui vous dit qui peut-être capable être impossible. Avec gouvernement, c'est ça nous comprenons selon la durée, puisque ministre affaires étrangères là, il y a des sorties qu'il a fait à l'étranger, qui des déclarations qu'il a fait avec des membres CPTA, nous parler, nous dire, pas au courant de une déclaration ça, et que le ministre affaires étrangères a fait, et si on a critiqué Mme Dominique Comprendadjo, il mettait le service total de premier ministre, alors que membre CPTA a dit, diplomatie, c'est affaire par eux. Donc, le ministre a supposé affaire par eux. Peut-être que déjà, dans le choix, Mounia a mis dans l'affaire étrangère. Tu peut-être un problème dans niveau ça, si ce n'est pas CPTA qui t'a fait choix. Sous la cause de la République dominicaine, justement, je connais, tu as une résolution, le gouvernement a été préparé, mettez-vous d'accord, voté, pour que tu le soumettes au Conseil présidentiel. Là, en façon pour République d'Haïti, tu as gagné un seul discours. Par rapport à ça, déportation massive, République dominicaine a fait. Et il y a des éléments de langage, il y a des points forts qui étaient dans la résolution, ça, il y a des condamnations claires qui ont été faites. Par exemple, il y a qualifié de raciste, de discriminatoire, de xénophobe, et ça, République dominicaine a fait. Et bon, on va parler de résolution, ça encore. Le bloquer dans le CPTA ou bien c'est lui-même qui va te soumettre le CPTA? Alors, justement, qui t'aime son point, et pas porte-parole. Ministre des Affaires étrangères là, je pense que le cabinet très outillé pour le capable de répondre point ça, lui-même tout lui répond point en pile point, mais comme chef cabinet pour le ministre, on est capable de dire non pas que ministre Dominique Dupuy n'a jamais évité aucune invitation formelle que vous avez fait. Moi-même, je suis au courant que même vous dimanche, sous invitation, la veille, de n'importe qui président le déplacer la lacaille. Ça, c'est pour la vérité, pour l'histoire. Pour être capable de faire dossier avancer. Il n'y a pas dit, me dit ça, mais je prends responsabilité de dire ça. Même dimanche, ministre Dominique Dupuy, disponible pour la CAI CP, pour la justement construire éléments de langage. Ceci dit,
Contrairement à avec ça, Mme CPA dit moi, et que sont-ils fait, ils n'ont pas au courant de voyage, ils n'ont pas au courant de déclaration d'affaires, et ce n'est pas d'avril. Moi, je vais vous faire. Oui, mais on n'a pas vous faire. Nous sommes capables de confirmer ça auprès de la ministre. Moi-même, je suis capable de dire parce que je suis non seulement ministre, mais ministère là, en ma qualité de chef de cabinet, et je connais que j'ai un pile d'efforts qu'a fait pour adresser crise avec la République dominicaine. Là. Ceci dit, j'en tiens, conseil présidentiel là, de par la compétence que la loi Bali, constitution Bali, c'est clair que il y a leadership sous orientation politique sous République dominicaine là. Et à ma connaissance, moi pas quoi que le ministre des Affaires étrangères violé ou en contradiction avec aucun document écrit, avec aucune orientation formelle que conseil la Tabali, parce que moi-même, je n'ai jamais recevoir une copie de ni orientation formelle, ni document formel de politique vis-à-vis de la République dominicaine que le conseil présidentiel a avoué par le gouvernement, a avoué par le ministre et que le ministre en contradiction avec. Et c'est vrai, le conseil gouvernement, dans sa qualité avec toute compétence que le gagne comme conseil gouvernement, il part même voulu que ce ministre des Affaires étrangères qui était porté dossier ça pour col, comme le ministre a souhaité que résolution que n'a pas prendre pour nous proposer conseil présidentiel là, justement pour que lui-même capable de nourrir réflexion par comme c'est lui-même qui supposait dire publiquement et annoncer publiquement orientation formelle sur le dossier ça pour respecter justement que toute responsabilité que gain ça la loi ba au prend nous fait un argumentaire. Nous discuter de lui en conseil de gouvernement, il est même d'ailleurs nous rendu public en partie qui allait joindre formellement conseil présidentiel là, même certain au prochain conseil des ministres Haïti, l'État haïtien, conseil présidentiel là, qui justement a une responsabilité, qui a un leadership dans sa gain quoi avec. Et qu'on a désir pour nous finir, on regarde pour nous comment on va conclure même beaucoup de ports, ben avancer avec des titres, on est capable de mettre bout. Moi, je pense que Nessie Maniga, malgré toute mauvaise qualité que M. Kabien, en tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale, avant ça, M. Fela, il est très méthodique. Et ouais, monsieur, son équipe mette des points pour une réconciliation entre deux têtes exécutives qui cabrent gagnent. Et aller mieux dans la gouvernance que nous avons là. Et si vous attendez, vous avez qu'elle montre ensemble avancer qui a fait entre eux, c'est ensemble. Parce que dire que le premier ministre, que le ministre des Affaires étrangères, il n'y a pas de problème pour aller rencontrer CPO. Qui est-ce qui a fait menti, qui est-ce qui est sincère dans ce qui a dit, c'est la question qui était. Et nous-mêmes, nous croyons que Nespi Manigadil, la population n'est pas satisfaite pour 4 mois, parce que il y a pratiquement après un seul bagaille. Qui se résout le problème de sécurité, c'est grandi qu'elle a grandi. Dernier soufflet que la police prend là, c'est cabaret qu'elle prend. Gouvernement, c'est pas seulement la police, c'est tout le gouvernement qui prend soufflet là. La police, il vient dans l'espace, il fait vidéo, il fait photo, et puis, bandit wale, avec uniforme sur yo, zam nan men yo, yal krasé espace là. Yo voye un message pour dire que pays a pas dirigé, pays a pas gouverné, pays a pas de force là dedans. Et vin mettre la police dans une situation très difficile, même pour publier information sur compte officiellement par rapport avec un fly qui a été fait semaine passée à la situation.